Ouh là là, est-ce que je suis en train d'arriver? Hop, je vous cadre un minimum. J'ai pas du tout préparé Instagram. Je ne sais pas si on en aura besoin. Comment vous allez? Comment vous allez? Oui, il n'y avait pas de musique, mais Maxouxou. C'est normal que tu n'entendais rien, c'est normal. Est-ce qu'un modo peut virer le mot de l'an, s'il vous plaît? Dans l'idéal, il faudrait le virer à la fin des streams, en fait. Hein. Parce qu'il n'y a pas toujours besoin. Comment vous allez? Mes petits choupichous! Mes petits roux doudous! Je vais arrêter parce que je vais faire plein de conneries en ou après c'est. Après on va pas être rendu, hein. Je vais très bien aussi. Oh mes runes. J'ai toutes les fenêtres de la maison ouvertes. Bon, j'ai la porte fermée pour pas que les chats sautent par la fenêtre. Ce serait quand même. Ça gâcherait le stream, un peu, hein. Il fait trop beau. Bon, demain il reflotte pour la semaine, mais là il fait trop beau. J'ai commencé un coloriage solo tout à l'heure qui me blaît de ouf. Tout va bien? Je suis à jour dans mes vidéos, mais grave, j'ai toutes mes vidéos montées, à part le deuxième Beyond Two Souls, jusqu'à samedi prochain. Qu'est-ce que tu veux plus que ça? Everything's fine. Et demain, c'est les 1 an de Twitch. Ça fait 1 an qu'on est sur Twitch demain. Demain, on fête notre anniversaire. Et on est à quasi 400 subs. Hier, on était à 401, et là, on est repassé à 398. Mais c'est de bon augure! Merci à 4. Du coup, on va être à 399. Bonjour, 7 mois, je suis trop contente. Hâte pour le stream, passe une bonne journée, tu es fabuleuse. Merci à 4, tu l'es encore plus. Combien de choupes-courriers avons-nous aujourd'hui? Eh ben, ma foi, il y a quand même de quoi faire. Mais c'est que des gens qui ont fait des trucs à peu près courts. Genre, qui ont respecté les limites, tu vois. Donc, est-ce que tu vas faire la suite de Chapters? Bah, faudrait voir si les développeurs sont OK. Parce que là, c'est une OP de base. Donc, c'est eux qui m'ont contacté pour que je fasse une vidéo dessus. Faudra voir, quoi. Oh, Théo. Je t'ai envoyé une lettre dimanche dernier, tu devrais normalement la voir la semaine prochaine, sinon je tuerai le kéké qui a arraché les lettres sans aucune discrétion. Non, 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 normalement. Merci Ju qui offre un sub à 500. Oh là là. Non, 400, 400 Ju. 400. Alors oui, demain il y a Hildegarde, mais sans vous spoiler, ça sera la dernière vidéo dessus. Voilà, j'estime qu'on a fait le tour pour Hildegarde. Je m'amuse moins à le tourner. En fait, je me suis rendu compte, ça fait 2 semaines. Que quand je dois le tourner, je fais ah, il faut que je tourne, tu vois, ou ah, il faut que je monte, et ça me fait chier de penser ça. Mais on trouvera un autre jeu, vous inquiétez pas. On peut pas dire que ça brillait par son intelligence, si tu veux. Hein. Trop bien, Vestai, dis donc. J'ai adoré le chapter. Ouais, c'était cool, hein. Ouais, c'est ça, Ju, il vise directement au 500, il passe pas au 400, tu vois. Ju, il snob. Mais vous inquiétez pas, on finit en beauté. C'est marrant pour se vider la tête. Ouais, c'est ça, voilà. C'était fun, mais sans plus. Voilà. On va dire que ça n'arrache pas le cœur. On est d'accord. Personne va décéder de tristesse qu'on laisse Hildegarde, tu vois. C'était pas Amélia, non? Comment elle s'appelait notre pote? J'en parle au passé, ça y est. Ça y est, c'est fini. Alors, je propose qu'on attaque. Et pour compenser un peu les pauvres qui se sont fait ouvrir, on va commencer par les deux choupes qui ont envoyé des lettres et qui se sont fait ouvertes à la poste directement par un voleur. Ce qui est fort cul. Hop. Donc on va tâcher de. On est 400, ça y est, c'est affiché! Ouais, mais Maxuxu, on est. Amanda, c'est ça, c'est Amanda. On est d'accord, on a fait le tour. Hein. Du coup, on va commencer par un choupe-courrier, hein, mais qui est absolument qualitate. Regardez-moi ça. Donc là, on a une fifille. Et je sais plus qui m'a suggéré ça, mais la personne s'est dit. Enfin, quelqu'un m'a dit peut-être qu'il y avait. Comme il y avait Pokémon derrière, la personne s'est dit c'était peut-être des boosters. Tu sais, comme c'est une hype Pokémon en ce moment. Et alors, je pense que du coup, la personne apparemment a volé un petit truc et a laissé le reste. Donc je comprends pas. Je ne comprends pas. Mais ah, c'était toi, ma toupie. Bah voilà, tu vois. C'est possible, hein. Après, l'autre courrier qui a été ouvert, c'est celui-ci. Et lui, je peux vous montrer l'autre côté. Mais lui, pour le coup, il n'y a rien qui indique Pokémon. Donc je sais pas. Je sais pas. Peut-être que la personne s'est ouvert celui-là, s'est dit oh ouais, non, ça m'intéresse pas. Et du coup, il passe à l'autre, je ne sais pas. Pokémon Snap, je vais peut-être le recevoir. Mais oui, alors le courrier est magnifique. Donc pour compenser le fait qu'il y ait eu une tentative d'irruption, n'est-ce pas? J'espère qu'elle a mis son Insta, qu'on puisse aller. D'ailleurs, attends, je vais préparer Insta, au cas où. Au cas où, on en a besoin aujourd'hui. Parce que j'ai pas pensé à le faire avant. Et oui, je me suis fait voler. Enfin non, bah du coup, si. Parce que la personne m'a dit
qu'elle avait mis un truc en plus. Ah, attends, on va essayer de trouver. Est-ce qu'il me le prend ou pas? Oui, il me le prend, magnifique. Super. C'est soyeux. Ok. Donc, alors, pour le coup, j'ai vu le directeur de la poste qui est venu me voir. Il était bien emmerdé et il avait l'air de sous-entendre qu'il y avait pas mal de passages ces derniers temps, parce qu'il y a des travaux, des machins. Mais il était bien. Bon, voilà. Donc, oui, voilà, c'est ça, exactement, Joe. C'est ça. Bah, c'était un peu ce qui. En fait, il a cogité un peu à voix haute devant moi, genre, ok, il y a beaucoup de travaux. Bon, ça peut pas être machin. Enfin, tu sais, il a un peu. Mais enfin, je veux dire quand même, sans me permettre de juger, le mec est quand même complètement con. Si je peux me permettre, hein, non mais parce que. Enfin, ça c'était peut-être. À mon avis, c'est pas quelqu'un qui bosse de manière permanente parce que, genre, c'était vraiment. Genre, voilà, celui-là par exemple, je l'ai reçu comme ça. C'est évident que c'est volé, je veux dire, il y a même pas eu une tentative de faire discret. Genre, quelqu'un qui aurait voulu faire discret, tu peux tout à fait, genre, je sais pas, inciser quelque part et remettre du scotch, enfin, je sais pas. Ou alors même pas remettre de scotch, mais au moins juste enlever discret, qu'on se dise est-ce que c'est le scotch qui a lâché ou là, genre, je l'ai récupéré comme ça. Donc voilà, c'est-à-dire que là, si c'était un mec qui bossait là-dedans à temps plein, je pense qu'il aurait fait l'effort de faire discret. Ou il aurait volé le paquet entier d'ailleurs. Donc voilà, je comprends pas trop, mais. Ah bah ouais, Toupie, j'imagine. Ouais, c'est ça, c'est. Non, mais je veux dire, je donne pas des conseils, mais c'est obvious. C'est-à-dire que si tu bosses quelque part et que tu veux voler un truc, tu fais pas ça. C'est. Tu vois? Donc je pense que c'est un mec qui est passé et qui devait, ouais, peut-être faire des travaux ou quoi, qui allait pas revenir, tu vois? Je vois pas quelqu'un qui bosse sur place niquer tout seul. Enfin, ça a pas de sens. Bref, on peut avoir espoir que ça ne se reproduise pas. Après, de toute façon, voilà, la personne apparemment a pris un truc, mais on s'en sort bien, il en reste quand même, tu vois? Donc. Oh, Drew, un plaisir! Oh purée, Joe, abusé. Je vais voler un parapluie. Faites pas semblant. Hein. Du coup, nous avons un petit Pokémon sérien. Ça me rappelle une série de boosters, ça. Ça me rappelle une petite série de boosters. Oula, oula, oula. Hop, hop, hop. Regarde-moi ce joli petit papier avec des papagailles. Coucou, Oiko. Merci pour le follow, Olixo. Ah oh, bah tiens, juste quand tu y arrives. Coucou, Tiboudoudou, c'est Scarlett 8 Rose. Est-ce que tu es là, Scarlett? J'espère que ta petite famille et toi, vous allez bien, et les choup-choup aussi. Je reviens pour la fin de la série 1 des boosters Pokémon en pâte Filimo. J'espère qu'ils vont te plaire. J'ai changé leurs emballages pour qu'ils fassent plus de mon âge. J'ai 20 ans. Gros bisous à vous, vous êtes incroyables. Est-ce que tu es là, Scarlett? Elle a pas mis son Insta, par contre. T'as le niveau en dessin, Scarlett, tu peux envoyer des dessins aussi, hein. Y a du talent, hein. Hop. Non, mais ça, Gaïa, il n'y a rien eu de volé. En fait, au final, il y a eu. J'avais eu Scarlett sur Insta. Et elle m'a dit que, en gros, il y a eu un petit paquet qui a disparu. Mais j'ai pas eu de courrier volé normalement, tu vois. Ça se voit. Sinon, le mec aurait. En fait, le mec aurait très bien pu emporter des trucs, quoi. Donc. C'est le Pokémon. Son Insta c'est le même. Ah non, c'est Scarlett 8 Rose. Tortipousse, bravo Armin. Quel talent. Deuxième. C'est trop mimi. Mais oui. J'aime beaucoup tes nouveaux emballages, hein, si tu peux me permettre. Bah oui, pourquoi je me permettrais pas, c'est un compliment. Y a pas de raison de se priver, hein. Alors, qui ça va être? Oh. Un petit Givrali qui fait la gueule, manifestement. Il est courroux. Il est courroux. Ça aurait été rigolo que le mec qui vole un paquet tombe sur celui-là. Et qu'il se dise, ah, c'est le destin, j'aurais pas dû. Ça se trouve, il en a eu un autre qui faisait la gueule, hein. Ça, il s'est dit, ah là là, Saint-Eustache me voit. Faut que j'arrête mes conneries. Je deviens prêtre. Mais non, là, Madame Bibine, c'est. En vrai, attends, c'est la première fois que ça arrive de tout. Ça fait combien de temps que j'ai la boîte postale? 3 ans? C'est jamais arrivé, hein. Je reçois même des lettres des fois qui sont vraiment dans des états dégueulasses et tout, qui ont été recollées. Oh! C'est pour ça que je pense vraiment que c'est un mec de passage, clairement. Un plus dur celui-là. Azuril, oui! Ça se trouve, il est tombé sur un gosier. C'est ça, et le mec a fui! Le gars a fui, quoi. Toupie, t'imagines? Ok, plus jamais j'ouvre. C'est la boîte du démon. Trop mignonne, la petite lettre, d'ailleurs.
Hop. Et c'est le même Insta du coup? Hop, alors attends, la petite lettre elle va là. Ça, ça va là. Je vais aller checker sur Insta. J'imagine bien. La psychose. Scarlett. T'as mon clavier qui n'a plus de touche, ça ne va pas. Scarlett Huit Rose. Yes! I got it! Allez les enfants! On envoie des bisous à Scarlett pour la réconforter. On voit la pauvre. C'est quand même cul, hein. Que son courrier soit fait ouvert, ouvrir. Enfin, elle est douée en fleurs aussi. Des plantes en plastique. Oh, c'est beau, on dirait des vrais, purée. Ah là, c'est des vrais. Et fleuriste. Oh, c'est Pipounou. Oh, j'aime beaucoup ton dessin. Hein. J'aime beaucoup tes dessins. Allez, allez, les enfants. On lui envoie de l'amour. Oh, Jou. Non, non, on m'a pas volé du courrier. Il y a quelqu'un qui a ouvert des courriers dans la boîte postale. Et qui donc a volé quelque chose apparemment dans ce colis-là. Mais c'est pas... on m'a pas volé de courrier directement, quoi. Et tout laisse à penser que c'est un mec qui était de passage dans le truc. Oui, c'est Mime, ça, te pire. Bah non, Ellie, c'est le mec de la poste qui va chercher, mais à mon avis, il trouvera pas. Hein. À part s'il y a des caméras, peut-être. Je sais pas s'ils ont des caméras en off. Du coup, second colis qui a souffert. Mais lui, on sait qu'il manque absolument rien. Puisque je prépare hein, le temps que vous envoyez vos amours. Hein. Lui, on sait qu'il manque rien parce qu'il y avait le poids dessus. Et on l'a repesé avec le directeur et il manquait pas un milligramme. Donc on a été rassurés d'emblée. Trop bien, Joe, c'est joli comme cadeau. Tada! Vous avez vu cette apparition soudaine, hein? Hey! Tu as devant toi un livre que tu avais emprunté, mais pas dans ta bibliothèque. Hé hé! Bon, c'est un peu évident vu que c'est mon roman préféré, mais t'inquiète. Alors, c'est pas signé, mais rien qu'avec ça, je peux dire que c'est Armin. J'ai glissé quelques post-it à la Henri. Oui, c'est clairement Armin. Armin, depuis que je connais cette scène, c'est un gros goal dans ma vie de faire ça. Bon, vu que tu connais déjà l'histoire, j'espère vraiment que ça te dérangera pas et ou te gênera pas trop. Je t'avoue que je suis pas très serein et j'ai peur d'en avoir trop mis ou mis au mauvais endroit. Bref, je réfléchis trop, se laisse de se faire donner des coups de balai. Allez, enjoy. Merci, Warminou. Il m'a offert un bouquin. Et t'inquiète pas, tu peux pas avoir mis trop de post-it, au pire des cas, c'est rigolo. Le concept est bon, tu vois. Oui, c'est toi, bah oui, parce que je te signale accessoirement que tu n'as pas signé, bouchon. Est-ce que tu comptes à ce point sur le fait que je te reconnaîtrai quoi qu'il arrive? Mais il y a eu le « comme ça. Oh, c'est trop pipounou, mais oui. Oh. Il m'avait engueulé parce que... alors, attends, faut que je vous explique. Donc, ceci est un de mes romans favoris. Et je l'avais pas. Voilà, je l'avais pas. Je l'avais lu, en fait, en l'empruntant à la médiathèque, là où j'habitais, à Saint-Genis. Et du coup, bah, comme je l'avais lu là-bas, je l'avais pas acheté après, quoi. J'en avais parlé en update lecture, c'était vraiment un coup de cœur de ouf, mais je l'avais donc pas chez moi. Et je sais plus pourquoi, je crois que c'est Armin, il m'a envoyé un DM il y a quelques jours, semaines, je perds parce qu'on se pose souvent, et qui me dit « Ah mais attends, comment ça tu l'as pas ?» Parce que je l'avais dit en stream « Comment ça se fait? C'est pas possible! C'est scandaleux !» Enfin bon, j'exagère. Et du coup, il m'a fait plaisir et il m'a envoyé, le petit livre. Avec plein de post-it. Oh ça va les post-it? Il y en a pas beaucoup. En gros, il y en a mis un à chaque chapitre. Ah, là, il y a un peu plus. Là, il y a un peu plus. Hein. Mais ce roman est une merveille. Ce roman est absolument génial. Donc, n'hésitez pas si jamais vous avez l'occasion de le découvrir. Il est vraiment dingue. Je vous lis le résumé quand même pour le kiff parce que... Harry, 15 ans, est un adolescent en colère, silencieux, dont le frère est en prison. Dante, lui, est un garçon expansif, drôle, sûr de lui. Ils n'ont a priori rien en commun. Pourtant, ils nouent une profonde amitié. Une de ces relations qui changent la vie à jamais. C'est donc l'un avec l'autre et l'un pour l'autre que les deux garçons vont partir en quête de leur identité et découvrir les secrets de l'univers. Et il y a une petite critique juste en dessous. Une histoire d'amour d'une profondeur et d'une justesse bouleversante. C'est The Roman, je suis d'accord. C'est une des plus belles histoires que j'ai lues. Et je m'en rappelle plus tant. Donc tu sais quoi, Armin, je le relirai. C'est qu'en ce moment, je suis en train de relire... L'histoire sans fin, vu que je vous ai lu le début en stream il y a la semaine dernière, et ça m'a trop donné envie de le relire, du coup je suis en train de le relire, et bah je pense que je l'attaquerai après. Ça me donne envie de le redécouvrir. Parce qu'en vrai, je les zappais, enfin, je les zappais, ouais si je les zappais, je me rappelle de certains moments, mais
Ça date d'il y a plusieurs années quand même. Hein. Puis mine de rien, comme j'ai lu beaucoup de young adult, ça s'est un peu mélangé. Donc merci mon Arminou, ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai hâte de voir tous tes petits post-it. Je m'attends à des... Bon, il y en a... là, par exemple, je tombais sur un post-it. J'aime pas non plus le coca. Voilà, c'est pas forcément passionnant, mais c'est rigolo. Le coup des petits post-it. J'adore quand on mettait des petits post-it. C'est la meilleure chose. Quoi. Donc faut que je l'ajoute dans ma bibliothèque sur Livre Addict. Ah, mais Alex, c'est une merveille. C'est incroyable. Ce roman, il est incroyable. Et comme vous pouvez voir, il se lit extrêmement facilement. Enfin, je veux dire, c'est pas long, c'est écrit assez gros. Il fait combien de pages? 400 pages. 400 pages en poche, c'est pas beaucoup. Hein. Non, vraiment... à lire. À lire, à lire, à lire. Et je l'ai mis, si vous voulez, dans la liste Amazon, d'ailleurs. Tel, à quel point... Alors, je l'avais pas dans ma bibliothèque, mais je l'avais mis dans ma liste Amazon parce qu'il est vraiment dingue. Merci, moi, Arminou. Rajouter dans la bibli Livre Addict, c'est tellement une satisfaction. Grave. Ensuite, on continue. Hop. Alors là, en vrai, on n'a pas grand-chose cette semaine. Ah si, les petites, elles sont planquées. Les petites étaient planquées. J'ai rien dit. Mais je pense qu'on ira assez vite quand même. Enfin, ça dépend ce qu'il y a dedans, tu vas me dire. Oh, de la bouffe! Donc au cas où, si jamais vous voulez ma boîte postale... Ce roman est vraiment merveilleux. Ah oui, oui. C'est mon courrier. Ah, bleu noir. Bleu noir, nos amis de la bouffe. Un petit pochon de bouffe. Nous avons récompense de fin de test. Ok. 5 dessins. Une réplique est écrite au dos de chaque dessin. Attends, 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 attends. Lettre d'abord. Parce que là, 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 que je sache. Que je sache dans quel sens partir. Ah, mais Max, c'est tout trop cool. Nous avons une magnifique petite présentation de lettres. Et nous avons une lettre avec Instagram, ici. Si jamais vous voulez devenir copain et vous envoyer des messages entre vous. Coucou Tiboudou et les choup choup. Tiboudou-boudou, pardon. Non, attends. Tiboudoudou. Elle a mis Tiboudoudou. T'as oublié un bout. Et les choup choup. De toutes les couleurs, vous aussi, cette fois-ci. Eh eh. Je tiens à commencer cette lettrouille par une question de la plus haute importance. Comment allez-vous en ce soyeux dimanche après-midi? J'attends une vague de réponses dans le chat ainsi que la tienne, Thibou. Eh ben écoute, je vais très bien. Voilà, je vais très bien. Je suis de bonne humeur, il fait beau, il fait chaud. Je vais très bien, je vais très bien. Thibou, pour me présenter rapidement, je te dirai simplement que je m'appelle Émilie, bleu noir sur Twitch, et que j'ai 20 ans. Je t'avais déjà envoyé un courrier que tu avais ouvert en chou-partie sur ta chaîne principale il y a environ 2 ans de ça. Mon Dieu, que le temps passe vite. Je te suis sur YouTube depuis Amour Sucré et j'aime toujours autant le contenu de ta chaîne principale. Je te follow sur Twitch depuis que tu y es, je crois. Et je te sub depuis près d'un mois. Moi, c'est trop mignon. Thibou, je voulais te dire que j'adore tout ce que tu fais, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. J'adore ta personnalité extraordinaire, ta bonne humeur communicative, ton humour juste incroyable et ta bienveillance avec tous tes petits choup-choup. Mais ce que je préfère chez toi, Thibou, c'est ton authenticité, ta sagesse, ta façon bien à toi de nous montrer le monde sous un angle différent et de nous permettre d'apprécier les petits bonheurs du quotidien. C'est-il pas trop choupi? C'est-il pas trop choupi? Tu l'as entendu je ne sais combien de fois, mais je tiens à te le redire car c'est important. Merci Thibou d'être la belle personne que tu es. Cette personne formidable qui, à travers un écran, arrive à aider de nombreuses personnes et parfois même à leur redonner goût à la vie. Tu ne sauras jamais à quel point tes streams et games et journées. Ça va paraître un peu bête, mais je m'en fiche, c'est mon courrier alors je l'écris quand même. Les choup-choup et toi êtes le petit rayon de soleil qui me guide chaque jour. Et pour cela, merci car vous m'avez sauvé la vie. En effet, je souffre depuis plusieurs années d'anorexie. Et au mois de mars, j'ai failli faire un arrêt cardiaque. Je ne suis pas encore guérie, mais c'est grâce à vous tous, et surtout à toi Thibou, que je suis parvenue à sortir de ma phase de dépression pour me battre contre la maladie. Alors merci à tous. Merci à toi Thibou d'avoir réussi à me refaire rire aux éclats, sourire pour de vrai, d'avoir apaisé certaines de mes angoisses, et de m'avoir ouvert les yeux sur des petites choses qui ont changé ma vie. Enfin bon, il est grand temps de passer à la partie la plus amusante de ce courrier. Je vous propose un petit test de personnalité sur le thème de Harry Potter, concocté par mes soins. Il n'est pas très original et je suis sûre que plusieurs d'entre vous, en tant que bons fans de la saga, ont déjà dû répondre à ce type de test, mais j'espère qu'il vous plaira quand même. J'ai également joint à ce courrier des dessins, une récompense de fin de test et quelques douceurs à partager, ou pas. Sur ce, je vous laisse avec le test et je vous envoie à tous un bouquet de bises et de pensées positives. Virtuel, bien sûr, Covid oblige, Émilie. Alors, ta lettre est adorablement mignonne, Émilie, merci beaucoup. Je repartage ton Insta, du coup, s'il y en a qui veulent papoter avec toi. Déjà, vous avez une passion en commun avec beaucoup, je pense, c'est Harry Potter. Hein. Et je suis très heureuse de savoir que ma présence au quotidien
un peu trop au quotidien d'ailleurs, t'a permis d'avoir le sourire et de relativiser et de te sentir mieux. Mais si tu vas mieux, c'est grâce à toi, en fait. Moi, j'ai pu peut-être apporter un peu de soutien et j'en suis ravie. Mais c'est complètement grâce à toi, donc un énorme bravo pour t'être sortie de ça. C'est très courageux de ta part et merci à toi de me suivre, d'être là et de vivre, en fait. Merci d'être là et d'être toi-même. C'est le plus important. Alors, voyons voir. Alors, on a les dessins. On a les récompenses de fin de test. On en verra après. Il faut d'abord qu'on fasse le test. Et là, on a le test. Est-ce qu'on voit les dessins? On verra les dessins après. On verra les dessins après. Un petit test. J'aime bien que vous faites des tests. Ça change des quiz. C'est bien, ça alterne un peu. J'aime bien les quiz aussi, bien sûr. Test Harry Potter. Regardez-moi ce dessin magnifique. Fort soyeux. Fort soyeux. Faut le dire. Test de personnalité. Attends, par contre, j'aime bien quand vous me faites des tests, mais faut pas qu'il fasse 15 pages. Ah non, ça va. C'est les réponses. Ça va, j'ai rien dit. Et les questions sont grandes. Deux. Alors, on va se mettre là. Avant de commencer ce test, il est nécessaire que vous armiez d'un crayon ou d'un téléphone afin de noter le nombre de... Putain, je sais pas le dire en plus. Trèfle, cœur, pique ou carreau que vous avez obtenu. Vous voyez, comme ça. J'ai eu un peu peur, Gaïa, un petit peu. J'ai un petit peu claqué du cul, tu vois. Il est préférable de répondre aux questions par une seule réponse. Certaines questions vont vous mettre dans des situations où l'on vous demande vos réactions. Il est important d'essayer de visualiser comment vous réagiriez dans cette situation et non comment vous aimeriez réagir. Est-ce que vous êtes prêts, les enfants? Je vous conseille de vous prendre du coup un papier, de prendre un stylo et de vous mettre genre... les quatre symboles, donc carreau... Trèfle, putain, je sais pas dessiner un trèfle, moi. Bon, en gros, c'est comme un pénis avec un tout petit bout, voilà. Donc, trèfle, cœur. Il manque lequel? Le pic. Oh putain, un pic, c'est dur à faire! C'est comme des testicules. Voilà, à l'envers. Putain, tu rigoles, mais en vrai, ça marche, mon truc. Regarde. Eh, donc voilà, faites pareil sur un petit post-it. Oui, aussi, Joe, j'avoue. Voilà, attends, je vous remontre. À la limite, je vous montrerai les questions, ça sera plus simple pour que vous visualisiez. Hein. Je n'ai plus jamais les trèfles pareils. Question 1. Ça y est, le grand jour pour toi est enfin arrivé. Tu reçois ta lettre d'admission à l'école de sorcellerie Poudlard. Quelle est ta première pensée? Carreau. Poudlard, enfin, il était temps. J'ai hâte de percer tous les secrets de cette école. Peu importe les dangers encourus durant mes aventures, rien ne me fait peur à moi. Trèfle. Mon dieu, où sont mes livres de magie? Il faut que j'en sache plus sur Poudlard et que je révise mes sorts pour être fin prêt à attaquer mes études avec le plus de connaissances possible. Cœur. Oui, je suis joie! J'ai hâte d'annoncer la nouvelle à tous mes proches! Épique. Ah bah enfin, c'est pas trop tôt. J'ai hâte de montrer à tous ces petits sorciers de pacotille de quoi je suis capable. Après tout, ce sera moi, le ou la sorcière la plus puissante. Hop. Moi, c'est clairement... Oui, je vais le dire à tous mes copains. Cœur. Un trait pour cœur. Ah, toupie. En vrai, trèfle, je le ferai aussi. Je pense que j'aurai grave le côté trèfle aussi. Après, là, c'est facile de deviner quelle maison est désignée. Hein. Mais justement, j'allais dire... Pardon, j'ai coupé ma phrase. Mais justement, je trouve que... C'est pas forcément, genre, là, tu vois, c'est un peu les trucs principaux qui ressortent. Mais en soi, genre, c'est pas parce que t'es Gryffondor que tu vas forcément casser des bouches, tu vois. Alors, je serais content, mais si je connais pas l'univers. Bah, c'est pas grave, ça, tu peux jouer, Hermine. Question 2. C'est le jour de la rentrée. Tu arrives enfin à Poudlard. Quel cours as-tu le plus hâte de suivre? Le vol sur un balai? L'art subtil des potions, les sortilèges et les maléfices? Tout ce qu'il faut savoir sur les créatures magiques, comment les apprivoiser et s'en occuper? Tous les domaines de la magie que l'on me permettra d'étudier. En vrai, trèfle. Trèfle, clairement, j'aime tout. Bon, les trucs que je préfère, mais... Tout est cool, en vrai. Hein. Genre, j'ai autant envie d'apprendre les créatures magiques que les potions. Genre. Hop. C'est pour ça qu'il y a plein de pages, mais il n'y a pas beaucoup de questions par page. Question 3. Un élève de ta maison a triché pendant les examens en se servant d'une plume ensorcelée. Grâce à son stratagème, il se retrouve premier de la classe en cours de sortilège et tu n'es que deuxième. Le professeur Flitwick soupçonne quelque chose de louche. Il te prend à part à la fin du cours pour te demander si ton camarade a utilisé ou non une plume interdite. Que fais-tu?
Par loyauté envers ta maison et ton camarade, tu mens au professeur, mais en espérant secrètement que quelqu'un d'autre lui dira la vérité. Tu réponds au professeur qu'il vaudrait mieux qu'il pose directement la question à ton camarade de classe. Par ailleurs, tu avais déjà prévenu celui-ci que s'il ne dit pas la vérité au professeur, tu le feras à sa place. Trèfle, tu dis la vérité au professeur. Après tout, si ton camarade est prêt à tricher pour être premier, il mérite d'être dénoncé. Et de toute manière, comme vous appartenez tous les deux à la même maison, tu récupéreras les points qu'il perdra en lui prenant la première place. Mouhaha! En tant que bonne grosse balance, tu n'attendras pas qu'on t'interroge pour dire la vérité au prof. Si tu savais que quelqu'un allait se servir de plume interdite, tu le dirais immédiatement au professeur avant même que l'examen ne commence. Moi, ça serait carré, rectangle. Enfin, carreau. Je dirais pas... c'est un peu comme, genre, tu sais, une pote qui trompe son mec, tu sais. Tu vas pas dire, tu vas pas balance direct, mais tu dis par contre, si tu le fais pas toi, c'est moi qui bouge, c'est moi qui le fais. Donc tu forces à bouler. Donc moi, c'est carreau. Et encore, la mois d'avant, j'aurais rien dit du tout en espérant... Ah, et encore, en vrai... Je sais pas, hein, parce que je suis plus dans le domaine des études, je bosse plus avec des gens, en fait. Donc c'est dur de me rendre compte. Bah si je l'avais su, je sais pas, c'est ou cœur ou carreau pour moi, je sais pas, je vais mettre carreau quand même par rapport à mes convictions, mais comme je pratique pas trop, c'est dur de dire. Question 4, alors que tu fais tranquillement tes petites courses dans un chouette marché de Grenoble, un détraqueur débarque et commence à s'en prendre à toi, tu essaies de lui échapper mais ce gougnafier ne veut pas te lâcher, alors tu utilises un patronus pour te repousser, un moldu un peu aveugle que ce congénère a été... Ah pardon, il manque un mot. Un moldu un peu moins aveugle que ses congénères a été témoin du spectacle et est maintenant persuadé que tu es un sorcier. Que fais-tu? Tu lui demandes pourquoi il pense une chose pareille afin de le persuader qu'il se trompe, et s'il est insistant, tu lui jettes le sortilège d'oubliette pour lui faire oublier tout ce qu'il a vu. Tu affirmes être un sorcier, et tu lui demandes s'il veut que tu lui jettes gratuitement un petit maléfice pour en être sûr. Tu affirmes être un sorcier, puis tu t'en vas nonchalamment en le laissant se demander si tu bluffes ou pas. Tu lui réponds que sa santé mentale t'inquiète, tu lui proposes d'appeler immédiatement un médecin. Clairement carreau, pour le coup. Ouais, je suis un sorcier, ouais. Salut. Je vais pas mytho. J'aime pas mytho. Ah oui, Armin, oui, si tu connais pas Harry Potter, là, tu vas être un peu paumé. Hein. Moldu, c'est quelqu'un de non magique. Question 5. Il fait nuit noire, tu marches seul dans une rue mal éclairée de l'allée des embrumes. Soudain, tu entends un drôle de bruit dont la provenance semble magique. Que fais-tu? Tu poursuis ton chemin avec prudence en gardant la main sur ta baguette magique dissimulée sous ton manteau et en restant très vigilant au moindre signe de danger. Tu brandis ta baguette magique et tu tentes de découvrir d'où vient ce bruit. Tu te glisses silencieusement dans la pénombre en attendant la suite des événements et en faisant une liste mentale de tous les sortilèges de défense et d'attaque dont tu pourrais te servir s'il le fallait. Tu brandis ta baguette magique pour te défendre sans te laisser impressionner. Je pense cœur. En vrai, s'il y a un bruit chuchot dans la rue, je me casse. Je vais pas aller voir ce qui se passe. Hein. Ah, ça dépend. En fait, non, ils disent pas que c'est quelqu'un qui appelle à l'aide. Là, c'est juste un bruit bizarre. Je veux pas aller voir. Si la question avait été t'entends quelqu'un en détresse ou t'entends quelqu'un qui appelle à l'aide ou quoi, c'est pas la même. Mais là, c'est juste un bruit, quoi. Je vais tomber sur des dealers sorciers qui sont en train de dealer du crack magique. Je vais me faire défoncer. Ça va, je passe mon tour. Hein. Question 6. Tu t'es perdu dans la forêt interdite avec deux de tes amis. Par malheur, vous tombez tout droit dans le lit d'une acromantule affamée. Celle-ci vous propose un marché. L'un d'entre vous doit se battre en duel contre elle. Si elle perd le duel, elle vous laisse partir tous les trois. Mais si elle gagne, elle vous dévore. Que fais-tu? Tu te portes immédiatement volontaire pour l'affronter. Tu veux à tout prix protéger tes amis, c'est pas une araignée géante qui va t'arrêter. Tu tentes de détourner l'attention de l'acromantule pour qu'elle vous laisse passer tous les trois sans que vous ayez à l'affronter. Tu proposes à tes amis de jouer à la courte paille pour décider lequel de vous trois combattra. Tu proposes discrètement à tes amis d'attaquer tous ensemble l'acromantule sans la prévenir. Clairement carreau. Et c'est une grosse connerie d'ailleurs. Mais j'ai un putain de côté à vouloir toujours sauver le cul des gens. Alors que je suis peut-être pas forcément la plus indiquée et que je risque de crever plus que quelqu'un d'autre. Mais c'est mon gros point faible. Y'a pas je meurs d'une crise cardiaque. Non, y'a pas.
Y'a pas, y'a pas. Non, moi c'est direct, c'est bon, j'y vais, je vais la niquer, vous inquiétez pas, sauvez-vous. Et moi, personne me sauve. Mais c'est pas grave, c'est Jacques, il faut bien mourir de quelque chose, hein, c'est. Question 7. Tu as été sélectionnée par la Coupe pour participer au tournoi des Trois Sorciers. En tant que championne, tu vas devoir participer à trois épreuves extrêmement dangereuses dans lesquelles ta vie sera en jeu. Si tu devais mourir, de quelle manière préférerais-tu que les gens se souviennent de toi après ta mort? Putain, joli. En se disant que tu leur manques, mais en gardant tout de même le sourire quand ils pensent à toi. En se racontant inlassablement les récits de tes aventures. En éprouvant de l'admiration quand ils pensent à tous tes exploits. Peu importe ce que les gens pensent de toi une fois que tu seras mort, ce qui compte, c'est ce qu'ils pensent de toi tant que tu es vivant. En vrai, les quatre sont stylés. C'est pas évident. J'aime bien le côté où on raconte les trucs qu'on a vécu. Tu sais, un peu genre pour se rappeler de la personne. Genre, comme un peu je fais quand je raconte des anecdotes de mon papa, genre, tu vois. C'est stylé d'avoir ça. C'est stylé ça. Et en même temps, je sais pas si j'ai envie que les gens se rappellent de moi après ma mort. Parce que la 4, elle me semble très stylée. Mais je sais pas si en vrai ça me ferait pas plaisir quand même. Tu vois, que les gens se rappellent de moi. Après, c'est vrai que c'est clairement moins important que les gens se rappellent de moi quand je suis vivant. Je dirais quand même la carreau. Je pense que c'est ce que j'ai le plus envie. Tu vois, genre le côté, comme quand je vous dis, comme quand je parle de mon papa, genre plein d'anecdotes, c'est genre, ah, oh, et vous vous rappelez ça quand elle a fait, oh là là, c'était stylé et tout. Ça, j'aime bien, tu vois. Ça, j'aime bien. Le côté, alors je dis aventure, mais c'est en vrai, ça peut être anecdote, mais je préfère à la limite rappeler des souvenirs rigolos, tu sais, ou des souvenirs un peu stylés, que juste de la tristesse ou de l'émotion pure, quoi. Tu es le ou la grande vainqueur du tournoi des trois sorciers. Pour te récompenser, un sorcier te propose de t'offrir un seul des quatre pouvoirs magiques parmi une liste. Lequel choisirais-tu? Le pouvoir de parler aux animaux, le pouvoir de lire dans les pensées des gens, jamais de la vie, le pouvoir de modifier ton apparence comme bon te semble, le pouvoir de te rendre invisible. Oh putain, c'est dur! Ouais, c'est ça, toupie de ouf. Ah, ça dépend. Ah, ça dépend parce que. Alors, lire dans les pensées des gens, c'est non. Parler aux animaux, c'est grave cool, mais en même temps, ça doit être assez limité, puis ça peut être un peu chiant aussi. Modifier ton apparence comme bon te semble, c'est quand même bien stylé, hein. C'est quand même grave style de ouf. Genre, oh tiens, j'arrive d'avoir les cheveux roses. Bouh! Oh tiens, j'ai pris un peu de bidou. Hop là, il a disparu. Tu vois, enfin, c'est quand même fun. Invisible, le gros avantage, c'est que tu peux voler dans les magasins. Je vois que ça. Est-ce que j'aurais envie de. Techniquement, vu ma situation de vie actuelle. Mais à quoi ça te sert, invisible? À quoi ça te sert d'être invisible? À part espionner les gens et voler dans les magasins. Tu peux voyager partout sans payer aussi. Ouais, invisible, on peut quand même te cogner dedans. Ça veut dire que tu dois rester debout dans l'avion. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est du vol en fait. Invisible, c'est juste tu voles. Tu peux aussi te balader partout sans te faire agresser. Ah bah dans ce cas-là, tu peux transformer en quelqu'un de super musclé. Invisible, tu voles dans le magasin, mais tes objets restent visibles. Ah, j'avoue! Fuir, voyager partout, aider les gens, tu peux te battre sans qu'on te voie. Ouais, enfin je sais pas combien d'agressions t'as eu dans ta vie devant toi, mais tu peux sortir même durant le couvre-feu. Ouais, non, je vais suivre mon feeling, je vais prendre, modifier mon apparence. Oh, il y a ma chatoune qui miaoute. Moi, c'est modifié. De toute façon, les quatre sont stylés, hein. Attends, je ferme la fenêtre, du coup. Est-ce qu'il y a mademoiselle qui veut rentrer? Hop. Attends, je vais quand même laisser ouvert un tout petit peu. Hop. J'arrive, ma reine. Mais oui. Attends, attends. Là. Et voilà. Invisible, on peut t'entendre, du coup, t'es quand même réparable. Oui, c'est ça, en fait. Au final. Après, peut-être si ce que tu touches devient visible aussi, c'est cool. Pour voler. Mais sinon. Regardez les gens sous la douche. Oui, c'est ça. En fait, invisible, c'est vice là, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, oui.
Elle est bien. Je comprends rien, Moucha. Oh oui. Non mais Madame Bibine, l'apparence, t'es pas obligé. En fait, le truc, c'est que je trouve que l'apparence, tu t'es pas obligé d'en faire quelque chose de négatif. Alors que invisible, je vois pas trop le positif. Moi, c'est le côté mystique de X-Men. Oui! Puis j'avoue, je peux faire agent secret du coup. Et enfin! Le pouvoir de Tronada. Et enfin, comme le choix peau prend en compte les préférences de chacun, si tu devais intégrer l'une des quatre maisons de Poudlard, laquelle choisirais-tu? Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle ou Serpentard? Last one. Non, c'est Remus qui bave, Joe, c'est pas Réa. Hop, du coup. Ah, je suis une grosse majorité de Gryffondor, je pensais pas. En général, selon les tests, je le suis pas tout le temps. Je suis plus Poufsouffle vu que je suis sympa. Qu'est-ce que tu fais, ma poupette? Du coup, quels sont vos résultats? Moi, j'ai 5 carreaux, 2 trèfles, 2 cœurs et aucun pique. Mais tu connais pas Armin! Tu connais pas, ça sert à rien! C'est les noms des maisons. Si tu connais pas Harry Potter, tu vas être paumé. Du coup, et qui est carreau? Qui a le plus de carreaux? J'avoue, Magic. Ah ouais, c'est marrant, Jou. J'ai carreau et trèfle égalité. Ah non, pourquoi j'ai une grosse majorité de carreaux? Je m'attendais pas. Alors, ceux qui ont majorité de carreaux, j'ai pas l'impression qu'on soit beaucoup. On est Gryffondor. La maison Gryffondor valorise le courage, la hardiesse, la force, la bravoure et la détermination. Tu es quelqu'un de courageux qui n'a pas peur de relever les défis que la vie t'impose. Tu te défends lorsqu'on attaque les valeurs qui te tiennent à cœur et tu te bats contre les injustices. Tu aimes la compétition et tu ne fais jamais machine arrière. Quand tu as une idée en tête, tu ne l'as pas ailleurs. Tu adores aider les autres, beaucoup de personnes t'admirent et tes amis sont très importants pour toi. Les gens te voient comme quelqu'un de sûr de lui, même si c'est pas forcément le cas, et comme un leader. Mais attention, les Gryffondors ont aussi la réputation d'être un peu prétentieux. C'est tout moi. C'est moi de tout. Ah bah si, ah bah là, on peut pas nier, hein. On peut pas nier, hein. Mais tu vois, en fait, c'est d'habitude, pourquoi je ressens pas forcément Gryffondor sur les quiz, parce qu'en fait, c'est souvent des trucs comme la première question, genre en gros, enfin, j'ai trop hâte de faire tous les secrets, et, peu importe les dangers, je fonce. Et je trouve que c'est pas la bonne définition pour Gryffondor. T'en as qui sont réfléchis dans l'équipe de Gryffondor aussi, si tu regardes, ils sont pas tous comme Harry, tu vois. Mais là, c'est un spoil. Mais j'étais au courant, on me l'a déjà dit. Mais ça sert à rien de me le dire, en fait. Ensuite, qui a le plus de cœur? T'as la description de Gryffondor, je trouve coupante. Et attends, je suis la seule à Gryffondor? Y a personne qui était Gryffondor avec moi? Ah bah dis donc. Ah si quand même. Ok. Mais pas beaucoup, hein. Alors. Envie d'éternuer. Je suis une demi-ouest, c'est vrai. Le cœur, tu fais partie de la maison Poufsouffle. On trouve parmi les nombreuses qualités des Poufsouffles la loyauté, la patience, le goût du travail acharné, l'honnêteté, la tolérance, la probité et la persévérance. Tout comme Cédric Diggory, Tonks ou encore Norbert Dragono, tu fais partie de la maison Poufsouffle, dirigée par le professeur Chourave. Tu es quelqu'un de loyal, d'honnête et de travailleur. Donc je veux pas entendre de feignasse, hein. Tu te bats pour que la justice soit faite et on peut facilement te faire confiance. Tu es souvent d'humeur joyeuse et tu te réjouis lorsque les autres sont heureux. Tu aimes prendre soin des autres et des animaux. Tu n'aimes pas lorsqu'il y a des tensions et les autres prennent souvent ta défense car tu apportes beaucoup à chacun. Princesse, je te vois pas du tout Poufsouffle, garçon.
qui c'est qui a le plus de trèfle maintenant? Princesse, t'es clairement une Gryffondor. Hein. C'est obvious. Enfin, y'a qu'à voir la description, c'est toi. Enfin, déjà, on se ressemble beaucoup. Donc, déjà, t'es pas une vraie vierge, mais t'es pas une vraie Poufsouffle, hein. Non, mais c'est des qualités. Ça veut pas dire, c'est pas parce que t'as les mêmes qualités que ça te correspond au niveau tempérament. Pour les trèfles, c'est serre d'aigle. L'intelligence, l'érudition, la logique, la sagesse, la créativité, l'originalité et la curiosité font partie des valeurs les plus importantes de la maison Serre d'Aigle. On dit souvent de toi que tu es quelqu'un de créatif qui résout les problèmes d'une manière inattendue et originale. Tu es ou étais plutôt bon élève à l'école. Tu aimes apprendre, lire, résoudre les énigmes et réfléchir à toutes sortes de problèmes. Tu aimes toujours des solutions aux problèmes rencontrés. Tu apportes, je suppose. Tu as les bons arguments dans chaque débat et tu acceptes facilement la discussion. Princesse, ne sois pas désobligeante, wesh! Sans déconner, tu sais pas, tu sais pas. En plus, oh, tiens, la preuve pourquoi t'es Gryffondor. À quel moment c'est sympa ça? Tiens. Qui c'est qui est pique? Qui a le plus de pique? Zéro trèfle. Qui c'est qui a le plus de pique? Oui, Serre d'Aigle. Oui, pique, exactement. Les piques, c'est Serpentard. Serpentard valorise l'esprit de grandeur, la ruse, l'ambition et la fierté. Tu es quelqu'un de malin et d'ambitieux. C'est vrai que tu as un côté un peu fourbasse, mais on t'aime bien quand même. Tu es rusé, tu détestes perdre, donc tu trouves toujours un moyen de gagner. Tu es très motivé pour réussir. Et oui, tu es un petit roublard qui arrive toujours à ses fins. Tu as confiance en toi et en tes capacités. Tu ne te sous-estimes pas, ce qui peut te faire passer pour une personne arrogante aux yeux des autres. Tu aimes dire la vérité, même si ça peut blesser. Serpentard, c'est un peu cul, quoi. Mais les quatre maisons sont cool, hein. De toute façon. Titi, je suis d'accord. Mais j'allais pas le dire. Sinon, après. Ah, bah, d'ailleurs, reconnaît elle-même, tu vois. J'avoue, j'avoue. Mister Deck, Mister Serpentard. C'était super sympa, en tout cas. Hein. Alors, 5 dessins. Attends, je vais regarder maintenant. Une réplique est écrite au dos de chaque dessin. Saurez-vous retrouver de quel personnage il s'agit? Un anjou! C'est pas tolérant. Tous les Serpentards ne sont pas pareils. Oh, je vous remercie de ce compliment, monsieur Weasley. Mais il serait peut-être plus utile que je vous métamorphose, vous et monsieur Potter, en montre à gousset. Ainsi, l'un d'entre vous arrivera peut-être à l'heure. Ou alors en plan d'école! Ça, je l'ai rajouté. Qui sait? Ah bah amende, c'est que tu... Ça doit être dur de te positionner. McGonagall! J'adore la bouille! J'adore McGonagall. La queen de ouf. Alors, vous cherchez la maison de vos rêves? Elle est un peu grande pour toi, Wizmosh. J'ai des poils de chat maintenant à cause de rien. Malfoy, bah. Dans toute sa splendeur. Hein. Dans toute sa splendeur, le coco. Faire exploser les toilettes? On n'a jamais fait ça. Mais c'est une bonne idée. Merci, maman. Facile. C'est vrai, Hervé, c'est vrai. Fred et Georges, oui, bien joué, Rimoucha. Les choses finissent toujours par revenir, mais pas toujours de la manière qu'on croit. Rimoucha, elle est on fire. Rimoucha, c'est... Inarrêtable, Rimoucha. Bravo, Luna. Qu'arrivera-t-il à tes enfants quand je t'aurai tué? Quand maman sera partie de la même manière que Freddy? Joyeux, ça dit donc? Bah oui, forcément. J'imagine, mais là, j'imagine. On aura compris, Madame Bibine. Je pense qu'on aura compris. Yes, Bellatrix.
Je m'en suis douté en fait avec le contenu de la phrase, mais je me rappelais plus de la phrase. Et du coup, on a la récompense de fin de test avec le petit saut. C'est bon. Hop. Diplôme. Albus Dumbledore, commandeur du Grand Ordre de Merlin, doctoresse en sorcellerie, enchanteur en chef, Manitou suprême de la Confédération internationale des mages et sorciers, à l'infini honneur de décerner à Thibou et à tous les choups-choups ce diplôme de fin de test. Au terme de ce test de personnalité, vous avez su démontrer toutes les qualités qui feront de vous des experts en sorcellerie. Félicitations, Albus Dumbledore. Ça gère. Ça gère. Non, Armin, tu mérites pas. Mais c'est pas grave, prends-le quand même. Eh, attends, des fois, la vie nous fait des cadeaux. Hein. Attends, je repartage l'insta, du coup, d'Emily. Hop, si vous voulez causer un petit peu avec la biche-biche. Tu vois, c'est cool de faire un petit test de temps en temps. Faudrait pas qu'il y ait que ça dans le courrier, enfin, que ça dans tous les courriers, tu vois, parce que sinon, on en aurait pour 10 ans. Mais un petit test de temps en temps, c'est super sympa, je trouve. J'aime bien cette ambiance. Ça fait du bien. Où est-ce que j'ai mis les... Ah bah oui. J'ai pas eu beaucoup de lettres pour le moment, en fait. On continue. Alors, celui-là, il m'a intrigué. Hop. Il y a un truc, j'ai essayé, c'est le titre d'un manga indice, c'est tout dans le courrier. Tu sais pas ce que j'ai fait depuis que j'envoie des courriers. Je suis contente et tout, mais j'ai pris un classeur, j'ai collé des trucs pour ranger des trucs, et tadam, un classeur pour faire des courriers. Vous pouvez voir sur mon TikTok pour les curieux. C'est pas Joël, ça. C'est pas Joël. Joël, elle raconte pas sa vie sur une lettre. Ça, c'est Tim Armin. Ça, c'est un pote, un ou une pote psychologique avec Armin. J'ai créé la Tibou Team. Ah oui, c'est Lélé Lolo. Voilà, bah voilà. Mais je savais, Lily et Lolo, la dernière fois, elle avait raconté sa vie dans sa lettre. J'avais même pas tout lu en stream tellement c'était long. Non, non, mais c'était sûr. J'aurais dû prévoir. Bon, j'aime pas trop les timbres maison. Va pas utiliser tous les beaux timbres d'un coup. La dernière fois, tu m'as traité de dingote. Y a que la team d'Armin qui fait Oui, et je l'assume, mais c'est pas parce qu'on est dingo avec Armin qu'on va être meilleur ami, bien sûr. Est-ce que je vais lire sa lettre en entier? C'est la question, hein. Non, parce que Lily et Lolo, elle raconte, elle parle. Oh là là, et tcha-tcha-ras, hein. C'est pas elle, la dernière fois, elle avait dit plein de trucs un peu vulgaires en plus. Mais Armin, tu lui as jamais parlé encore? Oh my god, ta meilleure amie, là. Alors, tu peux lire en live, ok. Quiz 4, signature ratée. Pardon. Les chiffres sont... Ok, je comprends rien. Je ne comprends rien. 5, 6, 1, 2, 3, 4. Ok, ben on va faire dans l'ordre numéro 1. Les chiffres servent au sens de la lecture. Menu. Putain, et là, c'est bien écrit. C'est pas régulier, l'écriture. Hein. Là, c'est super bien écrit. Des fois, c'est pas réussi, tu vois, c'est... Bah, il n'y avait pas la dernière fois. Ah, passe ton Insta s'il est marqué. Bah là, il n'y a pas hein, pour le moment. Menu, les trouilles que tu peux lire en live. Ah, voilà ce que je voulais dire pour l'écriture. On va essayer, hein. C'est un pâte. Non mais. Allu, Thibou et les choupes. Est-ce que ça voit? Moi, oui, enfin non. Petite voix, c'est oui ou c'est non? Quand on vous pose la question, on dit toujours oui, non. Bah moi, c'est ce que je dis depuis une semaine. J'aurais tellement besoin de vider mon sac. J'ai essayé de dessiner un sac. Attends, mais non, je dois rester forte. J'essaie de rajouter... Attends. Ok, bon, je saute le passage flou, hein, voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un résumé de ce que je pense de Assassination Classroom, plus un quiz. Résumé. Une salle de cours, un professeur, des élèves et des coups de feu. Les élèves de la classe de la 3ème E du collège de Kunuginoka sont des assassins en herbe, et remarque, c'est végétal, hein. Et leur professeur est leur cible à abattre. Objectif, le tuer. Découvrez le quotidien insolite d'un drôle de professeur et de ses élèves. C'est un bon animé avec une fin... voilà. Mais ça joue bien, spoil. Mais le dessin du manga est spécial, pas trop mon style. Mes personnages préférés sont Karma, petite voix, son crush, moi, chute. Koro-sensei, son histoire est trop bien. Le psychopathe qui... Quoi? Le psychopathe qui torture ses élèves. Alors attends, je précise que j'ai vu Assassination Classroom et que j'adore cet animé. Il est absolument génial, il est très loufoque, très perché.
et avec énormément d'émotions en même temps. C'est, il faut vraiment, ça vaut le coup d'essayer. Accrochez-vous les premiers épisodes de début si vous trouvez ça perché, ça vaut vraiment vraiment la peine. Mais là, le psychopathe qui torture ses élèves, il m'a beaucoup marqué et il m'a fait peur. Je vois pas qui c'est pas un prof temporaire, mais c'est pas, y a pas vraiment de psychopathe qui torture ses élèves, faut pas prendre ça au sens littéral, hein, c'est... PS1, quand je fais la petite voix, j'ai l'impression d'être taré. Non, mon. PS2, les points, je... Oh là là, ça... Les points, je sais la ponctuation, voilà, je sais pas. PS3, orthographe, ok. PS4, la tâche, c'est une larme. Je vois pas de tâche. Mais soit. Désolé. Ah non. Non, c'est. Bah voilà, on est bon pour la lettre. C'est compliqué. Alors, tu sais quoi, Lily? Alors, tu sais quoi? Non, mais parce que j'ai réussi à coacher Armin, Jojo. Bon, Jojo, c'est pas encore. Gigi. Enfin voilà, tu vois, pour que ça soit optimisé. Vu que tu as l'air d'être parti pour envoyer des lettres fréquemment, Lily, ton tarif pour la prochaine fois, me réduire cette masse là, me faire quelque chose de structuré et aéré, et ne pas te parler toute seule. Voilà. Prochain challenge, tu vois, step by step, on va y arriver. Quiz numéro 3. Ah, il y a l'Instagram. Je sais pas si c'est le sien ou si c'est celui du quiz. Oui, Jojo, tu t'améliores, mais t'es encore en queue de classe, tu vois. C'est... Ah ouais, Jupop, j'avoue, j'ai faim maintenant. Tu me fais penser. Oula. Oula, 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 oula. Ça... Mais je pensais que ça allait être simple. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Attends, attends, attends. On va y arriver. J'ai la moyenne, tout juste Jojo, hein. Je te mets 10. Quiz. Ok. Attends, un, ça n'a pas mis numéro de question. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17. Alors, prochain challenge également, Lily. Moins de questions pour les quiz. Mets-toi à 10 maximum, d'accord? On va descendre. Alors, je vais faire la moitié. On va faire... Parce que 17 questions sur un animé, le problème, c'est que tout le monde ne connaît pas. Donc, ça va être compliqué de... J'ai peur que ça ce soit un peu long pour tout le monde, tu vois. Donc, on va faire la moite-moite. Qui est Monsieur Koro? Un extraterrestre, un élève ou un poulpe? Attends, je vais le mettre comme ça. Ou une poule, pardon. Magic Fay. Oui, elle est un peu guidée avec le résumé. Hein. Sans doute pour éviter qu'il y ait de piquettes. C'est une bonne personne. Non, mais c'est pour ça. Il faut pimper la forme, mais le fond est bon. Hein. C'est un poulpe, effectivement. Ah, Gigi, on verra, on verra. Question 2. Qu'est-ce que Monsieur Koro a détruit? La Terre, le Soleil, Mars ou la Lune? Bon, faut que je fasse gaffe aux questions qui spoilent aussi. La Lune, bien. Dans quelle classe Monsieur Koro est-il le professeur? La classe de terminale E, la classe de 3e E, la classe de terminale A ou la classe de 3e A? Alice. Armin, tu n'es pas concentré, hein? C'est ça, la troisième E. Lorsqu'un élève donne une bonne réponse, qu'est-ce qui apparaît sur son visage, Akoro-sensei? Un carré, un losange, des rayures ou un cercle? Un carré est un carré. Un cercle est un cercle. Si vous avez la ref, je vous mets en VIP. Alice... C'est un cercle, bravo. À quelle vitesse Monsieur Koro se déplace-t-il? 150 millions de kilomètres, Mach 20, 120 km/h ou Mach 10? Elle est dans la ville, bravo! Hercule Poirot, allez. T'as été le premier. Hercule Poirot, tu es VIP 24 heures. Poirot, pardon. Toute la beauté du jeu de mots, je l'ai loupé, quoi. Et c'est Mach 20, oui. Voilà,
Hercule Poirot. Bravo. Quel élève arrive au milieu de l'année? Karma, Yoshida, Kaede ou Nagisa? Alice, on voit que tu brodes un peu quand même. Ah mais 24 heures, Jou, 24 heures. Ça m'arrive de temps en temps de faire un petit jeu. Karma, yes. Je vais en prendre un dernier. En quelle matière Nagisa est-il fort? En sciences, en anglais, en maths ou en français? Ah, il y a quelqu'un à bannir! Ultra Girl! Adieu! Au revoir, Ultra Girl, au revoir! En maths. Non, pas du tout. Bon, je veux dire en anglais! En anglais, les enfants. Il est très fort en anglais. Je rappelle qu'il est japonais. Hop! Là, je fais pas tout parce que. Et là, on a des petites citations, je crois. Il faut que vous deviniez qui les dit. Quel personnage les dit? Donc, c'est dans Assassination Classroom. Je l'ai dit quand même, au pire, même si vous ne les trouvez pas. Princesse, tu l'as banni et Titi a levé le bannissement du coup, en voulant rebannir. Faut vous mettre d'accord, les enfants. Trop de zèle, trop de zèle. Du coup, je vous dis les citations. Et vous essayez de trouver qui c'est. Si vous trouvez pas, c'est pas grave, au moins on aura les citations. Examinez sous un autre angle, les fautes et les faiblesses peuvent être des armes. Non, Dark Atsy, pas du tout. Je l'ai banni parce qu'elle m'a insulté. Enfin, elle a dit que c'était nul ce que je faisais. Genre, elle est arrivée, elle a dit c'est nul ton ban. Donc. C'est l'inverse! Titi l'a banni, princesse a levé le bannissement! Mais mettez-vous d'accord, bordel! Arrêtez de faire en même temps! Ça me fume! C'est bon, princesse l'a rebanni, on touche plus! On touche plus à rien! On touche plus à rien! Alors, qui c'est qui l'a dit? C'est Nagisa, bien joué! Les gens avec du talent ont toujours l'impression contraire de ce qu'ils sont vraiment. Ils sont en vogue en plus. Non mais c'est inexcusable. On s'est mis d'accord, c'est lui qui fait n'importe quoi. Bah, bravo, hein. Les gens avec du talent ont toujours l'impression contraire de ce qu'ils sont vraiment. Grave toupie. Koro, tu dis Sophia? Non, c'est Karma qui l'a dit. Tous les liens que nous tissons nous permettent d'avancer et d'évoluer. En vrai, c'est un animé qui est super philosophique aussi. Hein. Super feel good aussi. Non mais ça va, vous êtes pas assez. Oh là là, vous avez vraiment la capacité de concentration d'une cuillère. Hein. Il y a juste des citations, il faut trouver qui les dit. Tous les liens que nous tissons nous permettent d'avancer et d'évoluer. Koro-sensei. Non, Nagisa. Ah bah tiens, elle l'avait dit Gaïa. Ne pas avoir peur est la chose la plus terrifiante qui soit. Ça fait pas beaucoup, Armin. Tu peux essayer, hein, sur un malentendu. Ah, Sophia, bien vu, c'est vrai, c'est. Personne là? Armin, il teste. C'est pas Nagisa. C'est Karma. La différence entre un maître et un apprenti est que le maître échoue plus de fois que l'apprenti. Koro, oui, bravo Armin et bravo Sophia. Je pense que Sophia joue vraiment Armin, il fait au pif. Hein. Qu'un poisson vive dans un cours d'eau limpide ou dans une rivière boueuse, s'il nage droit devant lui, il grandira et deviendra un merveilleux poisson. C'est pas Nagisa. Et c'est pas Dory. Cette concentration, les enfants, c'est la débandade, là. Hein. Personne ne l'a dit, du coup. Alors, c'est évident. Koro, voilà, Madame Bibine. Merci. Enfin, une qui fait l'effort. Numéro 4, signature ratée. Pensée philotentaculaire. Okay, je sais pas ce que ça veut dire. Nul ne sait quelles seront les armes utilisées pour la Troisième Guerre mondiale. Cependant, lors de la Quatrième Guerre mondiale, nous nous battrons probablement avec des tentacules. C'est une citation de Koro-sensei.
Ah, je savais pas, Alice. J'ai l'impression d'être dans une chouette salle de classe. C'est un peu ça, ouais. C'est voilà, c'est joyeux, c'est cool. C'est pas fou en plus. Question 5. C'est très bien emballé, je trouve. Challenge sans ciseaux. Lol. Non. À partir du moment où tu mets du scotch sur tout ce qui respire, c'est mort, hein. Du scotch. Comment tu veux? Il n'y a pas de trou, genre sans scotch. Challenge sans ciseaux, faut qu'il y ait une possibilité de vivre, tu vois. De le réussir, sinon. Challenge refusé, pas grave. Ok. Challenge refusé. Je suis en train de glisser de mon siège là. Alors, on est un peu. Oh, on a un dessin de Koro-sensei. Tout le monde est un génie, mais si on juge un poisson sur sa capacité à monter un arbre, alors il se croira bête toute sa vie. Stylé Alice, j'avoue. Et je sais pas qui c'est. C'est qui ça? C'est pas Karma? Je sais pas. En tout cas, il est stylé. Et numéro 6, elle met son TikTok. Je pense que c'est le sien. Hein, je... 6 dessins pour dessiner, il faudrait peut-être le mettre sous des livres pour qu'il soit droit. C'est les yeux de Karma. Ah, alors c'est Karma. Ah, dessin pour colorier, tu voulais dire. 6 dessins pour dessiner. Ouais, alors oui, peut-être falloir. Ah, effectivement. Plier comme ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais. Je vous remercie beaucoup pour votre vague d'amour sur mon compte Insta. Je peux pas être avec vous aujourd'hui, on est en famille, je vous fais plein de bisous. Trop cool, Scarlett, que t'aies bien tout reçu. Trop cool. Mais c'est Mims. C'est trop Mims. Les petits écureuils là. Et les petites tortues. C'est des petites tortues. Par contre, ouais, une fois que c'est plié comme ça, c'est chaud. Vous avez peut-être pas la caméra, mais c'est chaud à revoir. Hein. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ce courrier. Bon, t'es pas là, je crois, mais tu verras en team rediff. Hop. Merci beaucoup, c'était fort sympathique. Encore, il y a un peu de travail pour optimiser, du coup. Je vous dis, en temps normal, je dis pas, mais quand c'est des personnes qui commencent à envoyer toutes les semaines, il faut optimiser, parce que sinon, on n'est pas rendu. Hein. Merci beaucoup, en tout cas, c'était fort sympathique. Et je pense que ça a donné envie à pas mal de monde de découvrir Assassination Classroom, qui est un très très bon manga animé. Je vais peut-être me prendre un truc à bouffer, il est 16h03. Bougez pas. C'est l'heure du goûter. Putain, j'avais oublié comme c'était chiant de streamer quand il fait chaud. Tu sues comme une vachouille. I'm coming home, nanana, I'm coming home. J'ai pris mes croquettes, j'ai plus rien à bouffer. C'est con. Parce que Kim il est allé en course vendredi. Est-ce qu'on prend une grosse? On va prendre une grosse.
celle-ci. Une lettre un petit peu bling bling. Hop. Mais je mange d'abord, mais... celle-là. Rien à voir, mais je revisionnais une de tes ovations Pokémon de la même série du dernier stream. Et toi qui voulais piéger la foulard psychoquac et ramolos, bah sache que tu l'as déjà. Merci pour l'info. Tu veux que je chante la petite sirène? Ah, Joe, t'es chiant. Oh. Je dis t'es chiant avec ta affective, avec tout mon affect. Hein. Attends. Xariska, elle m'a fait boire, et Gaïa aussi. J'avais pas vu. Attends. Qu'est-ce que je peux chanter à petite sirène? En plus, je bouffe, quoi. Attends, je réfléchis. Faut retrouver qui chante, ok? Quelle jeune et jolie mariée je vois dans mon miroir. Sachez que mon plan s'est déroulé au-delà de mes espoirs. La petite sirène est dans mes mains et l'océan m'appartient. Je vais pas le faire parce que c'est aigu. Ouais, vous êtes bon! Bravo! Armin, il faut m'expliquer. À part Stay Stay, que connais-tu? Parce qu'à un moment, tu connais pas les animés, tu connais pas Harry Potter, tu connais pas Disney. Est-ce que tu connais Star Wars au moins? Oh, c'est trop stylé, t'as vu Joe, de ouf. Du coup, Joe... Oh, Joe, ça fait penser à Joe Kagan. C'est dans quoi, Joe Kagan? Oh! Joe Kagan, c'est un amoureux de Esther Sue dans la petite maison de la prairie. Voilà. Je connais, mais je regarde pas Star Wars. Donc tu connais pas. Jojo, est-ce que tu connais Disney? Puis au moins, tu le ramènes pas à chaque fois. Parce que Armin, dès qu'il connaît pas, il est obligé de le dire, tu vois. Merci pour ton follow, 1256. Mais lui, il va falloir attendre les reliefs, ouais. Non mais il y a une marge Jojo, c'est sûr. On mange les mêmes croquettes. Ouais, Jou, on est connecté par la croquette. Oh. Je t'ai courou. Bah regarde la petite sirène, c'est moi qui suis courou là. Tu m'as courou. Sophia, il faut séparer l'œuvre de l'artiste, n'est-ce pas? On a eu bien de manger. J'ai tellement hâte qu'il y ait des fruits. Ah, les premières tomates là. Oh, elles vont faire plaisir. Oh, mais puis les pêches. Mmh. Trop mignon de jeu. Oui. Bleu. J'ai eu ma première pastèque. Oh, oh putain, les melons, j'ai trop hâte. Pastèque, j'aime pas trop, moi. Pastèque, j'ai l'impression que c'est de l'eau aromatisée. J'ai du mal avec l'intérêt du truc. En fraise, ça fait quelques semaines déjà que j'en ai. Oh, mine. Oh, stylé Joe. Ah, Joe de ouf. Oh, tu sais, si c'est sur une plateforme, tu sais, ça change rien, Sophia. Ouais, moi, j'ai pas de melon encore. On a que des fraises pour le moment en fruits. Mais... on a brocoli. Fenouil, ça fait quelques temps maintenant. Fenouil avec de la sauce tomate, c'est une tuerie. Et qu'est-ce que j'ai acheté? Petits pois, les petits premiers petits pois et pois gourmands. En légumes, on commence à être pas mal. Asperges, j'en ai déjà acheté aussi, ouais. Après, ça dépend où on habite. Hein. Brocoli, nous, c'est curry.
Curry de brocoli, c'est une curry. Ça rime. Ah non, Sophia, pas du tout. Ils ont des contrats avant. Surtout pour des trucs aussi gros. Ils payent la location et puis une fois que la location est finie, ça disparaît, c'est tout. Bah surtout que J.K. Rowling, je sais pas ce qu'elle touche par rapport au film. Je sais pas son pourcentage, mais ça doit pas être astronomique. Hein. C'est plus sur les bouquins. Les bouquins, elle doit toucher beaucoup, mais surtout tous les exemplaires vendus. Par contre, les films, je sais pas. Mais à mon avis, si t'achètes le film Harry Potter, c'est pas J.K. Rowling que tu rends la plus riche, quoi. Oui, putain, les objets dérivés, bah ouais, c'est ça. J'ai pas eu de fraises des bois encore. Mais bref, en même temps, fraises des bois, mûres, framboises, sur le marché, ça coûte une blinde. Ah, non, princesse, on n'a pas fini, c'est la pause. Goûter. Elle est tendue, princesse, aujourd'hui, hein. On est dimanche, laisse-moi bouffer. On finit. Par contre, on est pas mal niveau rythme. On est pas mal. Oh oui, je dirais bon. Ah, c'est cool ce Levenia. Nous, on a des aromates sur la terrasse. Mais genre, je te tague depuis tout à l'heure. Alors, Chaucina, c'est une de nous deux qui a attaqué l'autre, c'est toi. Hein. Moi, j'ai juste dit que je te verrais bien Gryffondor. Et à quel moment c'est une insulte, étant donné que moi, je suis Gryffondor. Et toi, t'as fait, ouais, non, les Gryffondors, ils sont arrogants. Alors, excuse-moi, c'est une qui tacle l'autre ou qui est désagréable, c'est pas moi. Dis ça, je dis rien. Ça, c'était les chocolats que j'avais reçus dans un courrier. Votre terrasse, c'est une forêt. Mais on a plein d'herbes aromatiques. C'est trop bien. Par contre, c'est chiant que les trésors, à la fin, t'as ça. La menthe, on a 3 bacs. En fait, à la base, on avait qu'un seul bac. Et les... Enfin, c'était trop... Ça avait trop poussé. Du coup, Kim, il a fait, vas-y, je vais tenter une expérience. Je vais rempoter la moitié et tout, donc on a un peu scindé en deux le bordel. Et bah, ça a pris partout. Et à un moment, il a juste mis des racines défoncées. Genre, il avait une poignée de racines qui était perdue. Vas-y, je vais faire une expérience, je vais le planter dans le pot. Putain, même ça, ça a repoussé. La menthe, c'est le truc increvable, quoi. Et par contre, je suis contente, c'est que notre basilic, il tient le coup pour le moment. Donc, magique. Ouais, enfin, t'as choisi de le citer, Princess, ça me prend pas pour un jambon, hein. À propos de jambon, j'ai acheté moins de viande cette semaine. On a la main verte. Ouais, la terrasse est pas mal... est pas mal pimpée, là. Tim a eu son houblon, il est content. Ah, mais la menthe, c'est increvable. Elle nous a passé l'hiver, non? On l'a juste rempotée un peu quand même, on a divisé ça au début du printemps pour qu'elle se reparte, mais... Allez! Salut Lionalia! Voyons voir ce petit. Attends, j'ai le nez qui gratte. J'ai pris trop de coke. Je rigole, c'est pas vrai! Ok, allons-y. Jojo. C'est la fatigue. C'est la chaleur. Tu te rends compte qu'aujourd'hui il fait 26 à Grenoble? 28? Et donc ça veut dire chez nous il fait plus chaud. Allez, non? Alors, les récompenses. Oh! Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je découvre. Hein. 4, 3, ok, 2, 1. Oui, il y a un trou. Ah, il doit y avoir un pins qui n'a pas de cache. Ça, c'est dangereux, ça. J'aurais pu me piquer le doigt comme la Belle au Bois Dormant et mourir. Ah, ça gratte. Les trouilles pour commencer. Bah, c'est très bien, ça, commençons. Bonjour, petit boudou-boudou, et bonjour à tous les choup-choup veloutés. Vous êtes veloutés. Est-ce que vous êtes content d'être veloutés? Moi, franchement, à votre place, je serais contente. Velouté, c'est bien, tu sais, c'est soyeux, c'est doux. Ça a un petit côté poilu, mais poilu cool. J'espère que vous allez tous bien et que toi aussi, Thibaut, tu te portes à merveille en cette belle journée ensoleillée. En espérant que le soleil soit là, évidemment. Ah bah écoute, je ne sais pas qui tu es encore. Qui tu es? Tu ne sais pas.
Mérune, Mérune! Bah écoute, Mérune, tu es devinesse. C'est toi. Ah bah voilà, magnifique. Promis, je vais être concise et ne pas fatiguer ta voix. Haha. Je me présente, je m'appelle Laura. Je fête bientôt mes 30 print... mes 30 print... mes 30 printemps. Ça fait beaucoup de trrr, c'est pour ça. Et oui, je fais partie de la team des années 90. Haha, haha, PLS. C'est la première fois que je sors réellement du silence et que j'ose, non sans courage, écrire officiellement une petite létrouille. Puis vient ce petit doute que l'on se pose. Mais par où vais-je commencer, inspecteur Johnson? Eh bien, par le début, ma fille. Oui. J'ai beaucoup de trentenaires, hein, quand même, hein. Quand même. Non, mais c'est... je suis fière. Entre vieux, on est... Alors, je suis taureau, ascendant capricorne, lunaire en sagittaire. Vraiment son thème astral, quoi. Taureau, ascendant capricorne, lunaire en sagittaire. Il y a du tempérament là-dedans, hein. Concrètement, je suis cornue et je passe donc ma vie dans un champ verdoyant. Je suis passionnée par l'art depuis toute petite et j'en ai fait mon métier. Je suis directrice artistique dans une agence et auparavant en maison d'édition jeunesse. J'aime énormément créer, développer des concepts ludiques, accompagner ceux qui rêvent d'élaborer leurs projets, leur apporter toutes mes idées et imaginations, puis voir le tout se concrétiser. C'est un moment très satisfaisant et je ne m'ennuie jamais. Ça me permet aussi d'apprendre à gérer peu à peu mes émotions, à développer dans le bon sens mon hypersensibilité et mon empathie. Enfant et parfois encore maintenant, elles sont mes fêlures. Mais de plus en plus, j'apprends à les aimer, à les comprendre et à en faire mes alliés. Chose que l'Ansune n'a pas fait, mais bon. Pour finir avec mon petit personnage, je vais vous partager quelques-unes de mes moult passions. Nous avons la littérature jeunesse et l'écriture jeunesse, One Piece et Chocolat Vanilla, deux univers opposés et merveilleux, les séries coréennes, les cartes Pokémon que je collectionne depuis la première génération. Mon grand-père volait celles qui me manquaient à mon petit frère lorsque j'étais petite, si tu passes par là, c'était lui, souris. Cool, un aveu à 30 balais, c'est... Y a d'autres choses que tu caches comme ça? Les plantes d'intérieur, le jardinage et toutes les activités bien-être cocooning. Je me demande si c'est l'âge qui fait ça. Au secours! Non mais t'inquiète meuf, c'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose. Je suis heureuse d'avoir 30 ans si c'est normal, tu vois. Les émotions ainsi que la mythologie grecque liée à mes belles racines latines. On tourne la page honnête. Je tourne la page honnête. Pour finir, voici quelques lignes pour toi, Thibaut. Cela fait près de 5 ans que je te suis sur YouTube. Et oui, l'horloge tourne. J'ai eu un coup de cœur quand je t'ai découverte. Ton humour, ta joie de vivre, mais aussi tes moments de discussion avec tant de bons conseils et tolérance, ta maturité et tes folies m'ont donné envie de te suivre immédiatement. Tu suscites le sourire dans les bons et les mauvais moments passagers, et pour cela, je te remercie chaleureusement. Tu es à la fois rassurante, émotive, inspirante, belle et forte. Ce dit en passant, le carré te va à merveille. Ce petit mou de Blanche-Neige est parfait. Haha. Tu mérites cette belle communauté car elle te ressemble. Tout comme un aimant, tu attires des personnes solaires, douces et bienveillantes. Je suis ravie d'être tombée par hasard sur cette ouverture Pokémon anodine et de t'écrire aujourd'hui après tant d'années. Et ça me fait très bizarre. Je voulais aussi te féliciter pour ton roman jeunesse, j'ai hâte de le lire. J'espère n'avoir pas trop écrit et sur ces mots, je vous dis à tout de suite pour un quiz gourmand. C'est trop mignon ta lettre, j'adore! Armin, tu vas me mettre dans la tête la chanson. C'est trop mignon ta lettre, j'adore, c'est trop choupi. En plus, pour le coup, elle m'a découvert sur une ouverture Pokémon. Pour une fois que c'est pas amour sucré, hein? Oh, regarde un petit peu les réseaux, ils sont là. Discord, Twitch, Instagram. J'adore la description d'Instagram. À l'aide. Moi, c'est Johnson, inspecteur Johnson. Je suis actuellement en planque dans une bûche. Me juge pas. Non, mais ça... J'adore. C'est trop mignon. Déjà, ton petit message personnel, il est trop pipou. Et j'adore ce que t'as parlé de toi. Enfin, c'est trop bien parce que t'as... On voit vraiment qui tu es, tes centres d'intérêt et tout. Super intéressant. I like it. I like you. Numéro 2, quiz. Les réponses sont cachées pour que tu puisses jouer. Oh, ça c'est mims. Quiz sur le chocolat. Voici 9 petites questions sur le chocolat. Et vous verrez qu'il y a plein de choses à apprendre sur ce super aliment gourmand. Question 1. Pour commencer, combien de variétés de chocolat existent-ils? 3, 4, 5 ou 6 variétés? Alors du coup, il faut que je réponde moi. Oh regarde, elle a bien géré, elle a bien caché et tout. Alors, salut Marie-Arty. C'est pour ça Marie-Arty ton pseudo d'ailleurs. Ça se trouve que c'est une âme sœur. Moi je dirais chocolat au lait, chocolat noisette, chocolat blanc, chocolat noir. Est-ce que praliné ça compte? Ou c'est pas la même? C'est pas... Ah, le 5 je dirais, il y a le rose et le beige. Je sais pas c'est quoi le rose et le beige. 4 ou 5 je dirais, ouais. C'est la réponse C. Il existe 5 variétés de chocolat. Les plus connues, le chocolat blanc au lait et noir. Mais il existe aussi 2 autres variétés. Le chocolat blond, créé par Frédéric Beau. Il a inventé ce chocolat par erreur en oubliant du chocolat blanc au bain-marie. La couleur a tourné au blond et donné un goût de sablé breton caramélisé. Puis le chocolat rubis, créé par le chocolatier Barry Calbo. Bien que la recette soit encore secrète, nous savons que ce sont les fèves de cacao non fermentées qui donnent cette magnifique couleur rose au chocolat.
Je savais pas du tout qu'il existait de variétés de chocolat en plus. Donc, je savais pas. Question 2. Combien de pourcents de cacao contient le chocolat blanc? 35%, 25%, 3% ou 0%? Ça gratte le nez. Je vais avoir le nez tout rouge à force. Hein. Ouais, grâce, ça donne trop envie de goûter. Toupie. Je suis pas sûre que Kit Kat ce soit le meilleur moyen de découvrir les goûts, tu vois. Moi, je tenterais 0. Il me semble que le cacao, qu'il n'y a pas de cacao justement dans le chocolat blanc, c'est pour ça que tout le monde dit ouais, c'est pas vraiment du chocolat. Mais ça se trouve, je me bourre, hein. Et bah, c'est bon, c'est ça. C'est la réponse D. Il n'y a pas de chocolat dans le chocolat blanc. D'ailleurs, en France, le chocolat, c'est du sérieux. Le chocolat noir doit contenir au minimum 43% de cacao, 26% pour le chocolat au lait, et pour le chocolat blanc, eh ben, c'est zéro. Vous mangez en réalité du sucre, du beurre de cacao et du lait. On en apprend tous les jours. Ben, grave. J'ai un point. L'honneur est sauf. Question 3. Que retrouve-t-on dans le chocolat noir? Il y a plusieurs réponses. A. Magnésium. B. Fer, cuivre et zinc. C. Potassium et phosphore. D. Flavonol. Je sais qu'il y a du magnésium, on le dit souvent. Bah, je dirais A et B. Il y a du fer aussi, non? J'en sais rien. Non, il n'y a pas de cuivre. Non, c'est pas la B. Je sais pas. La A et la C, peut-être. Il n'y a pas de cuivre dans le chocolat, non? Je sais pas. Ça n'existe pas, le cuivre dans l'alimentation. Le zinc et tout, c'est du matos, c'est pas du. Ah bah, Ellie, j'imagine. Ah bah, si! C'est les réponses A, B, C et D, il y a tout. Quand je vous dis que le chocolat noir est un super aliment, plus la tenance en cacao est forte, 70% au minimum, et plus vous aurez de bonnes choses pour votre petit corps gourmand. C'est l'aliment le plus riche en magnésium et autres minéraux. C'est donc bon pour notre morale et pour résister au stress car il développe la sérotonine, notre hormone du bonheur. Le zinc renforce le système immunitaire, le potassium diminue les risques cardiaques, AVC et hypertension, et celui-ci est renforcé par les flavonoïdes, un antioxydant puissant qui prévient de toutes les maladies cardiaques et du vieillissement de la peau. Pour finir, il est riche en phosphore. Il combat donc aussi les caries dentaires. Vous n'êtes toujours pas convaincus? Alors continuons. On va tous bouffer du chocolat noir. Clairement. Ah bah Sophia, c'était les 4. Ouais, t'avais raison, mais t'avais tort aussi. Hein. Question 4. Qui sont les plus grands consommateurs de chocolat? Les Français, les Suisses, les Allemands ou les Américains? Moi j'aime bien le chocolat noir, mais à petite dose. En fait, tous les chocolats, c'est à petite dose, moi. Merci pour l'info, Ellie. Mon père. Ton père n'est pas un pays, Ninon. Alice. Ah, nous, on en bouffe beaucoup, quand même. Ah, vous pensez américain, vous? J'ai l'impression que c'est nous. Ouais, bleu noir, c'est vrai. Ah non, c'est les Suisses, c'est la réponse B. C'est pas nous, déception, tristesse. D'ailleurs, nous arrivons seulement à la 10e position dans le podium. Ce sont les Suisses, nos chers voisins, qui sont les plus grands consommateurs de chocolat du monde. Ils dévorent environ 9 kilos de chocolat par personne et par an. C'est déjà pas mal. C'est vrai, c'est pas mal. C'est pas... Oui, la Suisse est clairement un pays du chocolat, je suis d'accord. Question 5. Combien de composés aromatiques contient le chocolat? 150, 230, 600 ou 570? Ah mince, il y avait la réponse de l'autre côté, je pensais qu'il y avait un post-it. J'ai regardé du coup. Ouais, nous c'est le fromage, j'avoue. C'est pas la même. C'est pas... C'est la C600. Pour vous donner une idée, le vin rouge contient à lui seul 200 composés aromatiques, alors que le chocolat en contient plus de 600. C'est un aliment ultra sensoriel. Question 6. De quand datait la première utilisation de la fève de cacao? Vers 2000 avant Jésus-Christ, 1300 avant Jésus-Christ, 500 avant de Jésus-Christ ou 300 avant Jésus-Christ? Après, pardon. Donc, 2000 avant Jésus-Christ, 1300 avant Jésus-Christ, 500 avant Jésus-Christ ou 300 après Jésus-Christ. Donc, 300 quoi. J'en ai aucune idée, donc je vais répondre au pif. Je dirais la B. 1300. Ouais, 1300, ça fait vieux, hein. Peut-être la C. Vous dites tous la C. Vas-y, je m'incruste avec vous. Eh ben, pas du tout! C'est la réponse A, 2000 avant Jésus-Christ.
Dans les années 2000, les archéologues ont prouvé chimiquement l'utilisation de la fève de cacao. D'après eux, c'est vers 2000 avant Jésus-Christ que les Olmèques ont bu pour la première fois le cacao. Par ailleurs, le premier Européen à avoir découvert le cacao est notre cher Christophe Colomb. Lors de son 4e voyage, des indigènes lui offrent une boisson amère en cacao. Pourquoi tu nous suis aussi? J'avoue, je suis con. J'avoue. J'ai confiance en vous, moi. Question 7. En quelle année ont été créées les premières tablettes de chocolat? 1849, 1852, 1883 ou 1920? Non, Gaïa, ça me gratte. Ça me gratte, j'arrive pas à enlever la démangeaison. C'est ça, Alice. Bah, Yerti, c'est une bonne question. Allez, je vais tenter la C. Je veux pas dire comme vous pour voir. 1883. C'était la A. Bah, vous aviez tort aussi. 1849. La première tablette de chocolat fut créée par les frères Joseph, Francis et Richard Fry. Ils découvrent qu'en mélangeant du chocolat en poudre, du sucre et du beurre de cacao, ils peuvent mouler le chocolat dans des plaques et le croquer. D'ailleurs, le nom de cette tablette fut baptisé en français « chocolat délicieux à manger ». Question 8. Un lourd secret se cache dans la fabrication d'une tablette au chocolat. Devinez lequel. A. Une barre de chocolat contient du lait de chèvre. B. Une barre de chocolat ne contient jamais d'amande. C. Une barre de chocolat peut contenir jusqu'à 16 parties d'insectes. D. Une barre de chocolat contient du caca de moucheron. J'aurais dit C aussi, ouais, pour les insectes. Et bah c'est la réponse C. Quand on parlait de concentré d'arôme, c'est un secret terriblement gardé par le ministère du chocolat. Non, je déconne. Néanmoins, le chocolat est l'aliment qui contient le plus de débris d'insectes. Ils sont naturellement incrustés dans la cabosse du cacaoyer. Installe-toi, mon chat, je t'en prie. Fais ta vie. Et enfin, dernière question. Ouais. Dernière question. Le chocolat noir contient un autre super pouvoir. Lequel? De faire maigrir, de faire pousser les poils, d'améliorer les sens, de se transformer en super chocolat nuit. Bien, Merlin. Eh oui. Je dirais d'améliorer les sens. Après, peut-être faire maigrir en vrai. Pas faire maigrir, c'est pas le bon terme, mais genre si tu manges, ça te nourrit et du coup t'as pas trop besoin de manger. Mais je dirais améliorer les sens. Ah bah non, c'est ça, c'est de faire maigrir. Bon, du coup, je garde. Sans déconner, le chocolat aide à faire maigrir. Le chocolat noir est plus gras que les autres chocolats car il contient beaucoup plus de beurre de cacao et moins de sucre. Pourtant, il ne fait pas davantage grossir car l'organisme n'arrive pas à stocker les graisses du beurre de cacao. C'est un bon moyen d'arnaquer votre corps. Vous venez de terminer, crunch crunch? Tu peux ouvrir les récompenses, Thibou. Me juge pas. C'était trop mignon et en vrai, on a appris plein de trucs, hein. C'était super intéressant. Oh putain, ce nez me gratte. Ah, et les poils de monsieur, là, vont pas aider, hein. Les récompenses. Ah, j'avoue, toupie. J'avoue, bonne remarque. Ça, je sais pas ce que c'est, par contre. Lui, il s'est sauvé. Il était peut-être avec. Ah, putain, mon nez, c'est horrible. Je vais me moucher, parce que là... En fait, j'ai pas envie de me moucher, mais je me dis, ça va peut-être aider. Parce que là, je m'en sors pas. Je vous laisse avec mes mains. Mon escroc. Ah, c'est horrible. Il est magnifique, Merlin. Ah bah, il vous a bien occupé. Quel streamer. Ah bah. Tu m'étonnes. Voyons voir du coup nos petits cadeaux. Je vais commencer par celui-là parce qu'il s'est sauvé. Merci, mon Jou, qui offre un sub à Merlin. Ah ouais, t'es content? T'as un sub à ton nom, ouais. C'est trop mignon!
J'adore! C'est des petites cartes de coloriage. Ah, j'avoue que ça m'inspire pas mal, ça. En plus, pour un petit TikTok, tu sais. Merci, mon Jou. Du coup, on va être 401 grâce à toi. Il suffit que je te regarde dans les yeux et je me sens chez moi. Oh, j'adore! En plus, ça passe super facile. C'est celle que t'as, Princesse Araba? Les gens font toujours des choses folles quand ils sont amoureux. C'est pas la vraie phrase, mais j'aime quand même. Les gens font parfois de drôles de choses quand parle leur cœur. C'est trop un beau cadeau. Alors ça, en vrai, c'est un super format. Et c'est en format carte postale. Et du coup, déjà à colorier, que ce soit en stream ou moi de mon côté, c'est cool parce que c'est court. Et puis ça permet de faire des trucs un peu sympas qui changent, quoi. C'est super cool comme format, j'aime bien. Mon rêve ne serait pas complet sans toi. Oh, trop mimes. Oui, j'ai pensé à tes marque-pages. Mais c'est une super idée. En plus, marque-page, c'est souvent un peu petit. Et là, c'est bien parce que c'est un bon intermédiaire. Les bannis ont droit d'amour. Oh, trop mignon. J'espère que tu m'as pas mis Peter Pan et Wendy. Je sais qu'il y en a un, Peter Pan et Wendy. En plus, c'est pas la bonne citation. Ouais, la princesse connexion, ouais. Et non, elle me l'a pas mis. T'es une vraie amie, Mérune. La fleur qui s'épanouit dans l'adversité est la plus rare et la plus belle de toutes. Et même princesse, elle a dit que c'était abusé, celle de Peter Pan, parce que c'était pas la bonne citation. Donc c'est du vol de citation, tu vois. Parce qu'il y a marqué dessus tu es plus importante pour moi que ne peut l'être tout l'or du monde. Et normalement, il dit ça à Clochette. Et sur l'image, il est avec Wendy. Franchement, si Clochette voyait ça, ce serait vénère. Merci, c'est super sympa. J'adore ce format-là. Parce qu'en fait, le gros problème que j'ai avec les cahiers Disney, c'est que souvent, genre, tu sais, ils mettent des illus comme ça, mais sur des trucs immenses, genre des grandes, grandes, grandes pages. Et ça te prend vachement de temps et de matériel pour faire tout. Alors que sur un format comme ça, c'est nickel, je trouve. C'est trop cool. Alors là, je pense que c'est un pinsou qui n'a plus de chlouk. Elle voulait que je me pique le doigt à la pointe d'une quenouille. Ah bah si, il a un truc. Ah bah il a transpercé. Ah bah ça, c'est pas courant. Il a transpercé le truc. Ouais, donc, il veut vivre, hein. Regarde, un petit pinsou Pokémon. Il est mignon, hein. Le pinsou qui a failli te piquer, ouais. Il est trop pipounou, c'est toi qui l'as fait? Il est stylé, hein? Il est trop beau, on est d'accord, hein? En mode cartouche, ouais, c'est ça. Et du coup, je m'attends à un bouquin. Non, j'ai pas ce level. J'adore cette série, elle est sous-cotée. Malgré que ce soit par les enfants, c'est un univers pour les enfants. Pardon, pour les enfants, c'est un univers qui porte avec beaucoup de justesse de l'amour, l'amitié et des liens, des émotions. Avec une touche de magie de plus et des élus magnifiques, c'est bienveillant et soyeux. PS, la série est courte, 8 tomes. Ça veut dire achète la suite. Chocolat et vanilla. Ah, mais t'en parlais en plus dans ta lettre. Attends, faut que je sorte de là. Tu l'as bien protégée, c'est au cas où la lettre était mouillée, peut-être. Très pratique ça, bien, bien pensé. Regardez comment c'est pipou. Non mais Marie, t'inquiète, y a pas de problème. Hein. T'as le droit de dire que mon chat est beau. Je l'ai chopé sur Vinted. Ah. Chocolat et Vanilla, deux charmantes sorcières, débarquent dans le monde des humains. Toutes deux prétendantes au trône du royaume magique, elles vont s'affronter dans un combat romantique pour les cœurs des humains. Laquelle sera la plus populaire? Mon Dieu, qu'est-ce que tu vas me faire lire? Merci beaucoup, c'est trop sympa. Et tu m'as bien gâté, hein? Petit coloriage, j'aime beaucoup, beaucoup ce format. Voyons voir le numéro. Attends, numéro 4. C'est la fin! Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce petit quiz sur le chocolat vous aura plu et ne pas avoir été trop longue. Maintenant, vous êtes des pros du choco, la crème de la crème du cacao. Vous pouvez postuler chez Willy Wonka. N'hésitez pas à venir papoter, je suis très disponible sur Discord car c'est plus simple avec le télétravail. Je vous souhaite plein de belles vibes laineuses et soyeuses à tous. Prenez soin de vous et à bientôt, Mérune. Oh! Félicitations Thibaut, tu reçois ton premier badge pour ce quiz, le badge chocolat. Et elle m'a mis un badge Pokémon. Oh, c'est trop mignon! J'adore! Ton courrier était trop chou, hein? Trop mignon. Alors, je vous remonte ces réseaux. Hop, pour que vous puissiez aller la harceler. Oui, Titi, celui-là. Celui-là. Hop. Faites revivre son Insta aussi, hein?
qui le pauvre est en situation compliquée. Ah bah j'ai hâte de voir Princesse. C'était trop bien. J'ai trop kiffé. Attends, ça c'est par terre, ça c'est par terre, ça là. Oh, putain, mon nez c'est horrible. Le pire c'est qu'il y a rien. Enfin, genre, j'ai pas besoin de me moucher, je veux dire, il y a rien dedans. J'ai pas besoin de me moucher quoi, c'est juste ça me démange. On va s'en sortir. Ensuite, il nous en reste plus tant, il nous en reste 4. Encore 4. Bah, normalement, j'ai pas d'allergie, mais. Peut-être là. Le pauvre Kim, c'est ce qu'il vit tout le temps, lui. Mais là, après, j'ai la fenêtre ouverte un petit peu, donc ça fait peut-être voler le. Comme l'aspi est pas passé dans le bureau depuis un moment, c'est possible que. Ouais, princesse, ça doit être ça. Je pense que ça fait bra... En fait, comme l'aspi est pas passé depuis un moment, ça doit brasser la poussière. La lettre de Maninon qui date d'il y a un mois et que j'ai reçue maintenant. Oula, c'est long. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, on va voir, on va voir. Coucou Thibaut! Voici une petite lettre un poil plus longue que d'habitude. Pas de panique, je vais tenter d'être concise. On espère. J'y croyais plus, bah oui, tu m'étonnes. J'ai eu envie de parler de mes études, la licence d'histoire, si jamais ça peut en aiguiller certains. Alors non, je n'ai toujours pas de projet de vie d'avenir, j'ai juste fini ma licence et trou noir. Mais enfin, même si les débouchés de cette licence ne me correspondent pas, je continue parce que ce que j'apprends me passionne. Si j'écris aujourd'hui, c'est parce que je ne supporte plus d'avoir la remarque quand je dis en quoi je suis. Oh, tu veux devenir prof d'histoire? Ah, ça m'énerve, y a pas que ça, les gars! Sachez déjà que la discipline est étroitement liée avec d'autres, telles que la géographie, l'archéologie, la civilisation et des sous-disciplines au sein de l'archéologie, comme l'épistémologie, études critiques des sciences, la numis... Putain, mini non, tu m'aimes pas, hein. La numismatique, études des monnaies. Bref, j'en passe, mais c'est extrêmement complet. Je vais répondre tout de suite à la question qu'on pose le plus. Mais c'est pas chiant de faire de l'histoire toute la journée? Alors, non. En fait, les cours sont séparés par période, puis par thématique. On a la période antique, la médiévale, surtout pas la moyenâgeuse, bouh, ça se dit pas, la moderne et la contemporaine. Et au sein de chaque période, on a plusieurs thématiques. Exemple, en L1 en antique, on a un cours sur la Grèce antique et un autre sur la Rome antique, et pas romantique, haha, lol. En L1, on doit suivre tous les cours qu'on nous propose. Mais dès la L2, on nous en propose deux ou trois par période et on choisit le thème qui nous intéresse le plus. Autre exemple, en L2 contemporaine, j'ai eu le choix entre hommes et femmes dans la France contemporaine et les sociétés coloniales de l'Empire français. J'ai pris la une et c'était passionnant. Plus les options qu'on choisit également. C'est extrêmement varié et tu ne t'ennuies pas une seule seconde. Si t'aimes l'histoire, hein, sinon je peux rien pour vous. J'avais un peu peur au début de ne pas adhérer à certaines périodes, notamment la médiévale. Et au final, c'était méga passionnant malgré la complexité des cours. Et maintenant, ce pourquoi je suis là, les débouchés. Bon, évidemment, on peut faire prof. Pour ça, il faut prendre l'option parcours MEEF, MEEF, se prononce MEF, ah, raté, dès la L2 pour pouvoir aller en master MEEF. On peut également partir en master archéologie pour faire de la recherche ou devenir archéologue de terrain. Pour cela, stage obligatoire en L2 ou L3. Dès la L2, la licence propose aussi une option sciences politiques, dont on peut facilement changer de cursus pour aller vers de la politique. On peut également faire après une licence d'histoire, une école de journalisme, travailler dans l'art, dans le patrimoine et la gestion des musées, dans les relations internationales, dans l'économie, en tourisme, management, commerce, communication. Vous n'êtes pas condamné à devenir professeur en histoire géo au collège, là où très souvent 85% des enfants s'en fichent royalement de cette matière. Alors, c'est pas vrai, c'est la seule matière qui m'intéressait. Et je suis loin d'être la seule. L'histoire en général, ça nous sauve, hein. Personnellement, je détestais l'histoire jusqu'en seconde. Je trouvais ça dur, inintéressant, long, j'ai envie de la taper la mois d'avant. Et je suis arrivée en première avec un prof qui a changé ma vie. Je l'ai eu en terminale également et il m'a passionnée. J'ai ouvert les yeux sur cette matière et j'ai commencé à m'y intéresser grandement. J'ai acheté plein de livres pour ma culture personnelle. Les gens de ma classe me regardaient de travers quand, pendant les pauses, je lisais La grande histoire du monde arabe de 550 pages. Mes notes ont décollé et je restais toujours à la fin des cours. J'avais toujours plus de questions, d'envie d'apprendre et de découvrir. J'allais le voir dans sa salle quand je n'avais pas cours, on débattait des heures et je me suis vraiment liée très fort à lui. C'est totalement grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Je n'ai jamais su ce que je voulais faire et je ne le sais toujours pas. La veille du rendu de mes vœux Parcoursup, courage à tous ceux pour qui. Courage à. Attends. Courage à tous pour ceux qui y sont encore. Je suis allée le voir complètement désespérée parce que je ne savais pas quoi mettre. Il m'a dit mot pour mot: pourquoi tu n'essaierais pas l'histoire? Tu as les capacités, tu es douée et tu aimes ça. C'est tout ce qu'il faut. Si ça te plaît pas, tu pourras changer et je pourrai t'aider au début. Et voilà comment je me retrouve ici. On a continué à se voir tout au long de ma L1, on allait se boire un café, quand c'était encore possible, et je lui parlais de mes cours, de mes devoirs à rendre, et il m'aidait en me donnant de précieux conseils.
J'ai eu un peu de mal à entrer dans la dynamique, mais il m'a encore une fois largement aidé. Donc plus généralement, ne perdez pas espoir. Vous pouvez faire des études sans que ce ne soit votre métier plus tard. Si tout va bien, je vais me retrouver avec une licence d'histoire en poche et je risque probablement de jamais m'en servir. Mais je regrette pas une seule seconde, parce que chaque chose que j'ai apprise, chaque cours, chaque événement m'a passionnée. Et je suis vraiment heureuse d'avoir eu la chance d'accéder à autant de connaissances. Ah oui, et si vous avez peur qu'on répète ce qu'on a vu au lycée, c'était mon cas aussi et pas du tout. On approfondit beaucoup plus, on prend un point de vue différent, des aspects qu'on n'aborde jamais au lycée. Il est impossible de connaître tout d'une période donnée. Il y aura toujours quelque chose à apprendre encore, et plus on avance, plus on devient précis dans les analyses. Si jamais vous avez des questions sur la licence d'histoire ou la matière en général, n'hésitez pas à me DM sur mon Insta ou sur Discord, je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. Je vous montre après, hein, je finis. Je ferai une prochaine lettre avec un quiz sur l'histoire, encore en préparation, séparé en plusieurs périodes. Je prépare aussi un petit quelque chose, bon je vais le faire quand j'aurai le temps parce que c'est long, mais je pense très fortement que ça va te plaire, Thibaut. Je vous laisse avec ci-dessous quelques livres d'histoire que je recommande, des bisouilles, et à bientôt. Voici donc l'Insta et le Discord de Maninon. Sur Discord, c'est une de mes modos, hein. Donc, bah, pareil, en vrai, ma licence de lettres, c'est un peu la même. Ma licence de lettres, elle m'a servi à rien en termes professionnels, mais elle m'a énormément apporté en termes de culture. Tous les romans que j'ai lus, tous les analyses de textes que j'ai fait, etc., tu progresses forcément. Donc n'hésitez pas à causer avec Maninon, c'était passionnant ma belle, hein. Et du coup je vais vous montrer la page qui est collée, voilà c'est bon, je l'ai, hop, avec les lettres. Voici donc les recommandations. Si certains veulent se pencher sur l'histoire de manière ludique, promis je vous donne pas mes briques de 600 pages sur les guerres de religion écrites tout petit. Hop là, première ref, l'histoire de France racontée par les châteaux, édition Larousse de Renaud Tomaso. Il a fait beaucoup de très très bons livres, ultra ludiques et visuels. Le Monde grec antique, édition Hachette supérieure de M.C. Amouriti, excellent historien, et F. Rusé, un peu plus scolaire, mais il y a toutes les bases dedans, on nous le conseille toujours en première année. Il et elle ont changé le monde, édition de La Martinière, jeunesse, de P. Favaro et P. Godard, pas que sur des personnalités historiques, mais génial pour approfondir sa culture générale. Et évidemment, tout ce qui est magazine, revue hors série sur des sujets précis, ça aide aussi beaucoup. Si vous voulez d'autres recommandations sur une quelconque période, un sujet précis, un ou une historienne de référence ou autre, I'm here. Bonne vie. Oh, c'est mignon comme phrase de fin. Merci Maninon. C'était passionnant. Et heureusement que ta lettre a fini par arriver. En vrai, je pense que le secret, c'est un peu d'être curieux. Et effectivement, j'ai l'impression que quand on est jeune, on l'est pas trop. Forcément, on a plus envie de vivre, de sortir avec ses potes, etc. Ça vient après. Oh, t'aimes pas BFM? Oh, ça sent le pseudo limite, ça. Hein. Écoute, on va pas te bannir pour ta question. Mais on va dire que t'as un peu un pseudo troll. Donc, je te laisse t'installer, fais ta vie. Mais je vais t'informer avec regret que si tu es chiant, tu seras banni. Et en plus, ça rime. Oh, je t'ai fait un quatrain. Oh là là, ce talent. Ouais, j'ai dit j'ai fait lettre. Je vous dis j'ai fait lettre. On continue. Plus que trois lettres. Ça donne envie de s'intéresser, hein. Ça donne envie de découvrir des choses, quand même. Hein. Grande lettre. Oups. Alors, c'est bien emballé. On peut l'admirer. Oh là là, mais je rime. Si les gens sont passionnés, en général, ils deviennent passionnants. Grave. Mais ce qui est trop bien, c'est que justement, quand on partage ces centres d'intérêt comme ça, on peut vraiment découvrir justement de nouvelles choses. C'est ça qui est génial. Du papier bulle. C'est bon. C'était pas des grosses bulles. Alors, ça s'est tombé. Bonus. Les trouilles. Thibaut SMR. J'avoue. J'ai même pas pensé. Ça va tranquille mon chat? Non mais je voudrais pas que tu prennes, que tu te sentes à l'étroit. Tu vois, c'est pas comme si j'étais reléguée sur... Des bulles. Attends, lire hors stream. Je crois que je l'ai lu mais je me rappelle plus. Ah oui, c'était une question privée. Faut que je les mette de côté, parce que du coup je voulais pas lui répondre tant que j'avais pas ouvert le courrier en entier. Les trouilles du coup.
Regarde le petit renard. N'est-il pas mims? Il est très mims. Il est très mims. Coucou Tiboudouboudou. Et c'est parti, je me présente. Je suis Rose Mikasa. Pour l'instant, ce sera mon nom et Rose en poème. Je dois d'abord te dire que tu es une personne admirable. Tout ce que tu as construit avec ta communauté est démentiel. Tu es pleine d'enthousiasme, gentille et ton côté fofolle me fait énormément rire. Toutes les idées que vous avez sur le Discord pour nous divertir, point d'exclamation, les modos, hein. Sache que je suis très contente de vous avoir découvert. Grâce à toi, je me suis remis dans l'art et qu'est-ce que ça m'avait manqué. Je revis et m'apaise beaucoup dans mes coloriages. Alors merci de m'apporter autant de bonheur et de bonnes ondes, toi et les choup-choups. Je vous envoie plein de bonheur, de courage et surtout gardez à l'esprit de vous faire plaisir au moins une fois dans la journée, comme l'histoire du bain de Thibaut. Ça vous a marqué cette anecdote, hein? Voici encore une fois merci. Attends, voilà encore une fois mille merci pour tout et d'être là. Bon PS, je le fais quand même, pardon pour les fautes. Bisous, Rose. C'est trop mignon. C'est trop mignon comme petite létrouille. Voyons voir du coup les bonus. Premier essai. On sait pas ce que c'est. On va découvrir. Des pipouillous. C'est des boucles d'oreilles framboises. C'est très mime, ça. Je vais les sortir de là, attends. Ah, c'est des boucles d'oreilles pour oreilles non percées. Alors, du coup, j'ai les miennes qui sont percées maintenant, mais... Ça se met quand même, hein. Elles sont très jolies. Il y a Kim qui est passée dans le couloir, c'est pour ça que Myrna a tourné la tête. Elles sont super, on dirait des vraies framboises. Hein. On dirait des vraies framboises, ça donne envie de bouffer. J'ai envie de fruits, là. On a des fraises, l'a dit, là, mais elles sont pas ouf. Il y avait pas mes producteurs habituels, ils avaient pas. Et un autre bonus. Cadeau, en gros. Oh! Oh, j'aime trop! Oh, mon Dieu, tu vas me faire rentrer dans un nouveau monde rose. C'est des tampons! Oh! Regarde, j'ai pas de tampons. Et j'ai pas d'encre, du coup. Mais ça va être des bouts d'oreilles à clip, Armin. Du coup, on est d'accord que je suis obligée d'acheter de l'encre. Bah, je suis obligée. Je suis obligée d'acheter de l'encre, puisque j'ai pas d'encre pour utiliser mes beaux nouveaux tampons. Tu me fatigues. Mais c'est pas ma faute. Ravi que ça te plaise. Ah, bah, ça me plaît beaucoup, Rose Mikasa. C'est très, très mims. Et bah attends, du coup. Pour ta lettre perso, je te dirais de penser à toi et à ce qu'il te faut. Quand toi t'iras bien, ton entourage ira bien en fait. Il faut que tu penses à toi, c'est important. Nouvelle lubie est entrée dans l'atmosphère, sortez les boucliers pour te protéger. Mais non, mais c'est mignon! C'est mignon quand même! Tu me fatigues parce que je sais que ça va m'influencer si ça fait comme le colo. Non mais, je parle pas d'en avoir 500 000. Mais il faut quand même que j'achète de l'encre pour pouvoir les utiliser. Regarde, Merlin, il sait, lui. Hein, mon amour. On est d'accord, il faut de l'encre. Il faut de l'encre pour maman parce que sinon elle peut pas utiliser les tampons. Oh, ma petite Rose. Merlin est d'accord, hein. Je me rappelle que quand j'étais petite, j'avais une boîte avec plein de petits tampons en plastique et avec des espèces de petits trucs d'encre bleu et rouge. C'était des espèces de trucs comme ça que tu ouvrais et tu tamponnais. C'est trop bien. Mais là, c'est la douane, il check. Non, mais c'est trop mignon, ça. J'aime trop. Mais il faut que je trouve... je sais pas... Bon, mais du coup, je sais pas ce qu'il faut comme encre... Oh là là, mais je sais rien, moi. Je pense un truc comme quand j'étais petite, où je tamponnais direct et je remettais, quoi. Un truc simple. Ce pseudo, mais va du terre. Merci beaucoup pour le follow. Mais oui, la nostalgie. Toi aussi, t'avais ça, Marine Agnew? C'était trop bien, hein. On dirait du chocolat, en plus. Bon, bah, du coup, va falloir que j'investisse, hein. C'est trop pipou, quoi. Beaucoup trop pipouné, hein. Merci pour ton courrier, ma belle. C'était trop chou. Et il nous reste plus que deux courriers, les enfants, et on a fini pour aujourd'hui. Ah, ça y est, t'en as marre? Qu'est-ce que tu fais, mon chat? Parce que là, t'es dans l'entre-deux. Là, t'es pas là, mais t'es là. Ah non, jamais, Marie, jamais. Un pinceau et des encres à calligraphie. Ouais, non, mais juste une plaquette comme ça, tu ouvres et puis bim, tu vois.
La princesse. Mais non, mais pas sur le truc. Recouche-toi si tu veux. Oh, des bonbons! Le courrier, il a semé des bonbons, quoi. Il a fait tes bonbons. Alors, regardez un petit peu. Ça, je pense que c'est Gigi. Si je me fie à l'apparence. La bibliophilie est à peu près la littérature, ce que le philatéliste est à la géographie. La philatélie est une belle passion. Elle satisfait la curiosité et l'envie. Romantique de connaître des pays lointains. Elle contribue à jeter un pont entre les nations et les générations. Mazette. Intrus, je le trouve moche. Mais non. C'est clairement Gigi, ça. C'est sûr. Gigi l'amoroso. Est-ce que tu as réussi à faire court, Gigi? Ah, Gaïa. Encore un bonbon. Comment ça... Ça sort d'où? Bah, je suis pas dans le bon sens. Ah bah d'accord, je suis pas dans le bon sens. Hop là. Hop là. Il nous reste plus qu'un petit colis après. On va finir tôt aujourd'hui. Hein. Bonjour Thibaut. Ta semaine s'est bien passée et vous les choups-choups? Décidément, on vous pose souvent la question. C'est une belle preuve de considération. Moi ça va très bien, toujours. Moi ça va. J'ai repris le travail, j'ai terminé mon tableau en strass. Oui, même si je l'ai pas encore mis dans un cadre vu que je dois attendre la réouverture des magasins. Je me suis rendu compte que c'est la 12e lettre que je t'envoie, ça fait beaucoup. Ce qui est drôle, c'est que je suis pas une grande bavarde dans le chat. On va dire que je suis un ventre mou, lol. Sinon, c'est la première lettre depuis que j'ai vieilli d'un an. C'est pour cela que je t'ai mis des bonbons. Car à mon travail, les enfants ramènent des bonbons lorsque c'est leur anniversaire. Et comme j'ai acheté des bonbons pour eux, j'ai glissé quelques-uns pour toi. C'est trop mignon. Maintenant, c'est parti pour le sujet d'aujourd'hui qui est les timbres. Pourquoi? Alors, je tiens à dire, on me dit que j'ai des phases et que je dépense et que j'ai des trucs. Gigi est pire, hein. Gigi, il y a des phases toutes les semaines, hein. C'est simple, j'ai parlé que je collectionnais les pins, alors il fallait bien que je parle de ma première collection qui est les timbres. J'ai commencé lorsque j'étais ado. Je t'avoue, je sais plus pourquoi j'ai commencé, je pense que comme toi, je les ai trouvés beaux, et au fur et à mesure, je me suis mis réellement. Et grâce à certaines personnes qui m'ont donné leur double, ou voire même donné leur collection, on va dire maintenant que j'ai une belle collection, même avec ma pause. Je m'y suis remis cette année. Donc pour résumer, je suis une philatéliste, même si avant le 15 novembre 1864, on appelait un collectionneur de timbres un timbrologue. Maintenant, parlons de ce à quoi vous allez jouer. Et oui, pas de quiz pour tester votre connaissance aujourd'hui. J'ai voulu tester autre chose. Cette fois-ci, vous allez jouer au tabou pour gagner des infos sur les timbres. Ensuite, il y aura un deuxième jeu sur les timbres les plus chers du monde. Et pour finir, un bonus. Ça te dit, Thibaut? Et vous, les choups-choups? Bien sûr, si c'est simple. Attention, Gigi, hein. Tu sais qu'on va faire attention. Les choups et moi-même allons être concentrés. Elle le dit. Numéro 1, tabou. Rappel du jeu. Tu dois faire deviner des mots au choup-choup sans utiliser les mots interdits ou tabous. Donc en gros, tu as 6 mots à faire deviner et tu vas voir, ils ont chacun un numéro qui est relié à la récompense. Donc à chaque fois que tu réussis, tu peux soulever la feuille avec le bon numéro. Ça marche. Moi deviner. Ok. Oh, c'est trop bien fait! C'est trop bien fait! Et là, il y a les récompenses en dessous. J'adore! Ça, on peut pas dire un Gigi. En plus, c'est fou parce que Gigi, il écrit toutes les semaines. Et chaque fois il se fait chier, et chaque fois c'est stylé. Allons-y. Donc là, il faut que vous soyez bons, les enfants. Alors. Alors, faut que je vous fasse deviner, du coup, des mots. Hop. Non, mon chat mange pas le papier, par contre, hein, ça va pas le faire. Est-ce que vous êtes prêts? Salut, Mlle Lilo, bienvenue pour ton follow, merci. Bienvenue pour ton follow, merci pour ton follow. Donc, faut que je vous... Alors, ça n'a pas forcément de rapport avec les timbres, hein, les trucs à deviner, hein. Gigi fait toujours des courriers de dingue, grave. Oh, c'est mignon, Mitace. Du coup, attends, il faut juste que je dise... En gros, il faut que je vous fasse deviner le truc sans vous dire... Ok. Alors, c'est un rassemblement de territoires proches de nous qui regroupe deux contrées. À savoir l'Angleterre et l'Écosse. Bon, en fait, cependant, avec ça, vous devez l'avoir. Hein. Il y a eu. Il y a une monarchie. Royaume-Uni, bravo, Maliarty. Bien, wesh. Et du coup. Ah oui, quand tu dis récompense, c'est un pavé, en fait. Le timbre-poste est une invention des Britanniques. Ah ben, oh, il y a un lien. Oh, qu'est-ce que c'est bien pensé, Gigi. Rowland Hill et James Chalmers. Avant 1840, c'est habituellement le destinataire qui paye le coût de transport par les postes du pli qui lui est adressé et à un prix très élevé. De ce fait, beaucoup de destinataires refusèrent les lettres trop coûteuses. Tu te rends compte, Thibaut, si on était encore à cette époque, tu devrais payer nos lettres. Je crois que t'aurais pas créé ce concept de courrier.
Pour éviter le transport à perte des plis, Hill proposa en 1837 dans son rapport de faire payer l'expéditeur, mais au prix très réduit de 1 penny. Cet expéditeur prouverait qu'il s'était bien acquitté de l'affranchissement en utilisant une enveloppe officielle, en collant un timbre postal sur l'enveloppe, que l'administration des postes annulerait avec un cachet ancré pour éviter toute réutilisation. La réforme postale demandée par Hill mit 3 ans à aboutir en raison de l'opposition de l'administration postale, qui ne prenait en considération que le manque à gagner initial pour la poste. Putain, c'est ouf, je savais pas du tout. Ça devait être super chiant. Numéro 2, t'imagines, vous devez payer 50 balles. Mais j'ai rien demandé. Oui, ben, c'est un cadeau. Ah, cool, t'es content. Ah, Merlin, t'étais sage, là. T'en kikine, là, hein. Attends. Ça va être compliqué qu'il soit pas chiant. Ok. Bon, normalement, j'ai tout casé. Deuxième question. Oh là! Oh, c'est dur! Ok. Deuxième mot à deviner pour vous. Alors, vous vous rappelez du coup du continent dont on vient de parler? Eh bien, il y a eu plusieurs dirigeants à ce continent, notamment des dirigeants femmes, type Elisabeth. Et là, c'est une des femmes les plus connues dans le genre. Je pense pas que je puisse faire mieux. Oui, bravo Christéliane, Reine Victoria, bravo. Le premier timbre, le 1 penny noir à l'effigie de Victoria, le penny black, dessiné par Henri Colbourg. J'adore comment t'as construit ton courrier, hein. Trop stylé. C'est super, tu vois, il y a plein de trucs à faire. Numéro 3. Là où on habite. Où on est en querelle avec, avec le Royaume-Uni depuis des siècles et des siècles. La France, bravo Gaïa! La France! Dès 1837, l'adoption d'une réforme analogue au système britannique avait été proposée en France. Mais il faudra 11 ans pour que la résistance de l'administration des postes soit surmontée par Étienne Arago à la suite de la révolution de 1848 et que le port payé à bon marché soit institué par un vote de l'Assemblée nationale le 24 août 1848. Ce port payé fut fixé à 20 centimes. C'est en application de cette réforme que fut émis le 1er janvier 1849 le premier timbre poste français, le 20 centimes noir, au type Cérès de Bar. 11 ans. De toute façon, nous, l'administration, on le sait, hein. C'est pas une surprise, hein. 11 ans. Seigneur Dieu. Numéro 4. Mais oui, mon chat, t'as vu, 11 ans, c'est fou. Oh, mon Dieu. Ok, alors là, on change. On oublie l'histoire. Passons sur une autre matière scolaire qui est liée aux mathématiques. Du genre où... Oh, ça suffit, Merlin! Dis donc, tu fais ton cul sale, là, hein? Masco, va. Pardon. Donc, qui est liée aux mathématiques? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Géométrie, bravo, Chatoun! Non, pas physique, t'as heureusement qu'il y a eu Chatoun. Les différentes administrations postales ont fait preuve d'originalité. Oh, il est chiant. Attends, faut que je sorte mon châle. Faut que je sorte. Dehors. Dehors, monsieur. Bah oui, mais t'es un masco. T'es un masco. Oh, non, mais dis donc. Bah, du coup, je vais ouvrir en plus grand. Allez, hop. On va y arriver. Merlin qui va attirer l'attention, mais c'est trop ça. Les différentes administrations postales ont fait preuve d'originalité au long de leur histoire dans la forme de leur émission de timbres postaux, surtout avec le développement de la philatélie. Par exemple, le triangle fut surtout utilisé dans divers pays d'Amérique latine, puis par certains pays francophones d'Afrique dans les années 60. Le losange, moins répandu que le triangle, après une première apparition en côte française des Somalies, a été relancé au cours des années 30. Le quadrilatère est la forme de la majeure partie des timbres postes, surtout rectangle. Le penny black britannique et le 20 centimes noir français sont de forme rectangulaire. Le trapèze est plus rare. Intéressant, c'est très intéressant. Oh là, c'est dur. Ok. On rechange de domaine.
Je cherche un animal qui vole, qu'on lâche au mariage. Au mariage Ristaï, c'est quoi ce mariage? Oui, colombe, pas un aigle. C'est quoi ce mariage? Tu lâches un aigle, t'as cru que t'étais un viking? Le premier timbre en couleur, la colombe de Bâle, fut créé en Suisse en 1845 par le canton de Bâle. J'ai voulu préchote. Ah ouais, du coup. Très joli timbounet. Et enfin! Oh, le dernier. Je sais même pas comment définir ça. Le dernier. Ah, il y avait un mot qui me venait et j'avais pas le droit de le dire. Des fois, vous appelez un service administratif pour leur demander quelque chose. Vous recherchez donc une... Compliqué, hein. Une. Non, pas une solution, mais dans le même genre. Une perte de temps. C'est pas répondre. Information! Maliala! Bien joué! J'avais pas le droit de dire renseignement, c'était renseignement que j'avais en tête. Il était dur celui-là. Un timbre porte un certain nombre d'informations nécessaires à son utilisation postale. Une illustration décorative peut figurer. Elle permet soit l'identification du pays émetteur, soit de plaire à l'expéditeur, au destinataire ou au collectionneur. Les mentions nécessaires sont le nom du pays émetteur et la valeur faciale pour savoir si l'affranchissement suffit à l'expédition du prix. Et bah c'était super intéressant, GG! Bravo! Ensuite, relie les timbres à leur prix. Oh putain de merde, ah ça c'est chiant! À faire en stream, il se compose de 4 timbres et toi les choupchous, vous pouvez trouver le bon prix en les reliant. J'ai suivi ton conseil. Ah oui, t'as mis les conseils! Ah bah c'est parfait! J'ai cru que t'avais pas mis. J'ai suivi ton conseil, j'ai mis des lettres pour les timbres et les chiffres pour les prix. J'ai aussi mis des infos sur les timbres pour savoir un peu plus leur histoire. Alors. Mais du coup, je sais pas si ça aide. Est-ce qu'il faut que je leur donne les informations en même temps? Non, le jeu est très cool. En fait, j'avais peur que j'avais pas capté que t'avais mis les A, B, C, D et tout. C'est la dernière fois, il n'y avait pas. Donc, c'était pas simple. Donc là, il faut relier A, B, C, D avec 1, 2, 3, 4. Est-ce que je lis la description des trucs ou pas? Je vais la montrer. Je vais vous le montrer. Donc le A. Comme ça, essayez de trouver, tu vois. A et B, vous avez là. Je vous laisse quelques secondes le temps de lire. Faut essayer de retrouver le prix. Et C et D. Les réponses sont cachées, hein, vous inquiétez pas. Attention. 3, 2, 1. Et maintenant, pour relier. Le truc, c'est que moi, j'ai pas lu du coup, alors. Bah oui, bah. Faut faire au pifou, hein. Je vais faire au pifou. Des fois, le pifou, ça marche bien. On va mettre. Et vous pouvez dire dans le chat hein, vos assemblements, vous, hein. Donc, A, vous pouvez par exemple A1, B3, truc comme ça, tu vois. Vous êtes trop concentrés. Je vois plus de chat. Est-ce que c'est parce que plus personne n'écrit? Ah, si, c'est bon. Je vois même pas les prix. Ah, bah attends, Rimoucha. C'est bon. C'est bon là? Moi je te fais confiance. Ah mais moi je vais faire au pif hein. Peut-être que sur le hasard des fois. Lui je pense il vaut cher. Allez. Hop. C'est cher pour des timbres. Oui hein, c'est... Réponse. La A, c'était la 4. Raté. Donc le A vaut 9,4 millions de dollars. Ça fait beaucoup. La B, c'était la 2. J'ai mis la 3, je vais avoir tout faux. La B, c'est 2,97 millions de dollars.
La C, c'est la 3. C'était donc... Ah ben non, pardon. La B, c'était... Oui, la B, c'était 2,06 millions de dollars. La C, c'est la 3, donc 2,97 millions de dollars. Et la D, la 1, 890 000 dollars. On est quand même sur du pognon, hein. J'ai tout faux aussi. Bah oui. C'est plus cher que ma vie. Bah oui, Johan, oui. Oui, clairement. Bonus, mystère et boule de gomme. PS, CD double. J'espère que ça te plaira. Je vous souhaite une bonne découverte et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et bah, c'était très bien, mon Gigi. Ma Gigi, j'oublie à chaque fois quel genre tu es. Hop. CD double de quoi? De timbre? Faut être dans le thème. What? Attends. Oh mon dieu, est-ce que Princesse elle est encore là? Ah, Princesse elle est partie. Dites à Princesse de venir vite. Elle va kiffer. Grave, Mayarty. Waouh, il y a trop de trucs. Mais moi j'ai juste 5 timbres. Elle vient de partir. Ah, c'est con. Regarde. Oh, il y a des timbres du Petit Prince. Oh, il passe avant Disney. Vous avez vu ce que je viens de faire? C'est juste que ça veut dire que mon amour pour le Petit Prince est plus fort que celui de Disney. Eh ouais. Eh ouais. Par contre, où est-ce que je vais ranger ça? Il faut un classeur spécial, non? Voilà. Ça t'a plu le tabou à la place du quiz? Ouais, c'était super cool. Puis pour le coup, je suis plus active, forcément. C'est pas trop beau? Oh. Je sais pas dans quoi je vais les ranger, moi. Parce que moi, j'ai retiré certains timbres que j'avais reçus de votre part, que j'ai mis dans une boîte, mais... Bah, j'ai pas prévu de commencer une collection de timbres de base. Mais là, j'ai reçu ça, donc faut bien qu'au moins j'ai quelque chose où les ranger, en fait. Mais ça fait quelque temps que ouais, je retire... Enfin, quelque temps, ça fait 2 semaines, hein, que je retire les timbres Mims. Il me faut un livre de timbres. Bah, c'est ça. Il me faut un livre de pins, il me faut un livre de... J'en ai un, je te l'enverrai. Ah bah à la limite et je te rembourse, Joe, parce que je sais pas ce qu'on... Enfin, je sais pas ce qu'il faut. Je vais passer 4 heures à me renseigner, ça va m'énerver, donc... En fait, le truc, c'est que je vais pas me lancer dans une collection de timbres. Mais comme là, genre, j'ai des trucs super jolis, autant que je les range dans un truc adapté, tu vois. C'est quand même plus cool. Pareil pour mes pins, d'ailleurs. Oula, oula, ils sont tous sauvés. Tout le monde s'est sauvé. C'est Beyrouth. Oh, il y a un timbre de Gavroche. Oh, ça se range comme ça. Ça se range dans... Attends, j'essaie de vous les mettre bien. Il y a une maison alsacienne. Oh là là, Gigi me connaît bien. Gigi me connaît bien. Il y a toutes les rêves que j'aime bien. Je vous montre. Je les range. Et il faut qu'ils soient tamponnés pour valider. Je l'utilise plus depuis 10 ans, voire plus. Ok, bah super. Et c'est genre un truc comme ça, en fait, un livre de timbre. C'est un truc avec des petites sleeves pour ranger. Je sais pas, je demande, hein. Je découvre le monde, alors. C'est très agréable à faire, cela dit, hein. Voilà, je vous montre celui-là. Hop. C'est comme ça, en fait. C'est des pochettes comme ça pour ranger les timbres. Tout à fait, des petites bandes pour les glisser et qui tiennent. Ah bah super. Ah ouais, Joe, j'avoue, si tu peux me passer le truc comme ça, tu me dis le prix et puis c'est bon, quoi, parce que... Pff. En fait, déjà, il faut aussi que j'achète un classeur pour ranger les pins et un truc pour les de l'encre pour les tampons. Tu sais, c'est génial quand vous me faites découvrir des trucs comme ça, mais moi, il faut que je les range après. Je vais pas garder ça, tu vois, faut que... Bon, là, pour le moment, j'en ai 4. Et donc, je les ai mis dans une boîte, mais ces 4, là, ils sont tout beaux. Faut bien que je les mette quelque part. Mais c'est trop joli, quoi. C'est comme celui que tu as pour Pokémon, mais c'est plus petit pour les timbres. Ah, oui, ok. Pour les pins, un conseil qui coûte pas cher. J'attends le conseil, Joe. Merci énormément, Gigi, hein. C'est trop gentil. Je suis très très fan, là. Vraiment, alors, ceux du Petit Prince... Prends une vieille écharpe de laine que tu n'utilises plus et épingle-les dessus. Ouais, alors niveau rangement,
Niveau rangement, je suis pas sûre que j'y gagne. Hein. Niveau place et tout. Le côté... En fait, je me dis, j'ai vu sur Amazon, il y a un espèce de classeur. Bon, c'est 30 balles, mais tu peux en mettre genre 100 dedans. C'est large, tu vois, vu tout ce que j'ai. Donc. Ensuite, tu la roules. Je crois pas que j'ai ça. J'ai que des trucs avec des très grosses mailles, moi, en écharpe. Bonne note ou pas? Ah, pour toi, ouais, Gigi. Là, c'est parfait. Tu m'as fait un super courrier. Pas trop long. Très bien. Hey, qu'est-ce que vous en pensez, les choupes? Comment vous notez Gigi par rapport au courrier? En termes de longueur, d'intérêt et tout, de diversité. C'est génial. C'est pas trop long, c'est dynamique, c'est varié. On apprend plein de trucs. Entre la semaine dernière sur les nounours et puis là, tu touches les étoiles, mon Gigi. Hein. Mon bar, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ok, et eh ben il nous reste plus qu'un courrier. Et boum. Ah, c'était passionnant, ouais. Et ouais, non, mais grave. Ah, mais tu m'as grave gâté. En plus, grâce à Joe, je vais pouvoir les ranger bien. Donc, trop cool. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh. C'est The Last One. The Last One. C'est mon courrier. Quand tu liras ma lettre, oui, est-ce que tu pourras remplacer le mot interprétation par impression? Je voulais corriger, mais j'ai oublié. Lizeria, c'est pas grave. Vraiment, faut pas te prendre la tête. Petites explications. Sans doute à voir après, pardon. J'ai fait un rototo. Cher Thibaut de Boudou. Bonjour Thibaut, comment vas-tu? Ça m'intrigue. Ah, c'est des bouquins. Eh, vous m'avez gâté en livre, là. Un manga, un roman, deux romans. Bonjour Thibaut, comment vas-tu? Et vous, les choup-choup, comment vous portez-vous? Décidément, eh, on nous sollicite aujourd'hui. Hein. Je me présente, je m'appelle Morgane, alias Lizeria dans le chat, même si je n'apparais le plus souvent que pour dire bonjour, comment allez-vous, et au revoir, et parfois une ou deux interventions faisant la plupart du temps partie de la team silencieuse. Pour mon âge, je te laisse deviner. Rendez-vous au PS pour la réponse. J'ai regardé en bas, j'avoue. J'allais dire 25 ans et elle dit c'est 23. J'allais dire 25 ans. J'aime lire des romans, de fantasy la plupart du temps, et des mangas. Regarder des animés et écouter de la musique en tout genre, même si j'avoue avoir un peu de mal avec le rap. Je suis tombée sur ta chaîne en début de l'année grâce à un update lecture qui est apparu dans mes recommandations YouTube. Et au fil des vidéos et des streams que j'ai regardés, j'ai pu découvrir ta personnalité solaire, ta sincérité, ta gentillesse, tes valeurs. Je m'arrête là, sinon on y sera encore demain. Qu'est-ce que j'ai eu comme compliment? Qu'est-ce que j'ai... Hein? Hein? Oh! Hein? Bon. Il y a aussi la manière décomplexée et bienveillante avec laquelle tu abordes certains sujets qui est très rassurante. Je pense que ça nous met en confiance et qu'on a moins peur de parler. De te parler des choses qu'on aime ou qui nous font peur, qui nous blessent, ou qu'on garde cachées au fond de nous de peur que les gens ne nous voient vraiment et nous jugent. Merci à toi et au Choupe d'avoir créé un endroit d'échange où l'on peut, pendant un instant, poser nos masques et baisser les murailles de nos cœurs pour être nous-mêmes, tout simplement. C'est comme ça que je le ressens du moins et je m'excuse si cette impression est erronée. C'est sans marché interprétation, hein, t'inquiète pas. Hein. Comme c'est une lettre de présentation, j'ai trouvé cohérent de t'envoyer ces deux livres qui font un peu partie de moi, puisque c'est grâce à eux que je suis la lectrice que je suis aujourd'hui. J'aurais pu me contenter de mettre un résumé, mais je trouvais que cela avait plus de sens que tu puisses les découvrir directement. Voilà pour cette étrouille, je souhaite une bonne soirée à toi et au Choupe, bisous. La réponse est 23 ans, on était-tu proche? PS2, et non j'ai pas oublié de mettre mes réseaux, je préfère juste rester anonyme pour le moment. Pas de coup de balai s'il vous plaît, peut-être dans de futures lettres, qui sait. Si c'est spécifié, pas de coup de balai. Même si c'est dommage, mais pas de coup de balai. Est-ce que c'est mieux que du coup je lise... J'ouvre d'abord tes lettres. Qu'est-ce que tu préfères? D'abord ça ou d'abord les paquets? Faut pas que je me spoil. Je me dis, est-ce que ça spoil? Je la fais écrire comme ça. Cette lettre est trop shoot! Je suis bien d'accord. J'ai encore plein de compliments. Je suis une Tibou ravie. Salut Antitone! Les livres, d'accord. Tome 1, tome 2. Ah, c'est des suites? Ah, dis donc le scotch, hein, c'est... Non, il y a une petite, il y a un petit passage. Bien emballé, hein? Très bien emballé! J'ai plus de place dans mes... Hop. Oh! C'est Elana! Du pacte des marchombres! Oh, c'est énorme!
J'en ai parlé, vous savez, je sais pas si vous avez suivi, mais j'avais fait des interviews chez Glénat, des illustrateurs et scénaristes des BD. Elana, la voix des marchands, ne t'apportera ni richesse ni consécration. Elle t'offrira en revanche un trésor que les hommes ont oublié, la liberté. Si tu le désires, je peux accompagner tes premiers pas. Que voulez-vous dire? J'adore, je suis trop contente! Je voulais les lire en plus. Du coup, si je me souviens bien, Elana, c'est donc la série qu'ils ont fait en plus par rapport aux Quai des Willans. Ça se passe avant les Quai des Willans pour les tomes 1 et 2, et le tome 3, il arrive après les mondes des Willans. L'avantage, c'est que c'est un monde assez dense, mais comme j'ai fait deux interviews en rapport avec les BD, je connais quand même pas mal maintenant. De la SMR papier. Yeah! Le tome 2! T'as vu, je les bosse mes interviews. Hein. Et là, du coup, le tome 2 en grand format. Ses longs cheveux noirs tombant en rideau devant son visage, son attitude, position de combat ou figure de danse, l'énergie qui se dégageait d'elle. La fille n'était plus une fille, c'était un oiseau prêt à l'envol. C'est trop gentil, merci beaucoup! Trop dommage, j'aurais voulu faire connaissance, on a des points communs peut-être plus tard du coup. Comment ça, Coco Rodolphe? Je comprends pas. C'est du gros livre, ouais, grave. Non mais ça va, c'est écrit petit. Comment il est écrit lui? Oh non, ça va, c'est écrit gros, ça doit se faire vite en vrai. Il y a de quoi faire, ouais. Alors voyons voir, petites explications. Je voulais juste expliquer pourquoi il y avait un livre de poche et un brochet. Je voulais vraiment que tu découvres cette trilogie avec les couvertures que j'ai moi-même connues, et aussi parce que j'aime moins les couvertures de l'édition la plus récente. Malheureusement, on ne les trouve plus qu'en occasion et j'ai pas pu trouver soit les deux en brochet, soit les deux en poche. J'ai mis des images de la nouvelle édition pour que tu puisses voir laquelle tu préfères entre cette dernière et celle que je t'ai envoyée, au cas où tu voudrais te racheter la collection complète. Ah oui, non, c'est moins beau. C'est quoi? C'est bizarre. Ça fait grave. Comment ça s'appelle? Divergente. Je vois pas le rapport avec Elana. Non? Ah oui, c'est le même univers que les Quai des Willans. C'est moins beau, hein? Enfin, c'est joli, mais je trouve que c'est pas l'ambiance. C'est pas Elana, quoi. Tu peux lire les deux tomes que je t'ai envoyés sans avoir lu La Quête des Willans et Les Mondes des Willans. En revanche, c'est impératif pour comprendre de quoi parle le troisième tome. C'est une série spin-off des deux autres trilogies, mais les tomes 1 et 2 sont un peu le prologue à la série, et la 3 un épilogue. J'ai moi-même commencé Pierre Bottero par ces deux tomes, et ça ne m'a en aucun cas gêné dans la lecture. Ouais, bah ça, du coup, j'avais vu. Donc, en gros, il faut lire le tome 1, le tome 2 d'Elana. Après les Quais des Willans, après les Mondes des Willans et après le tome 3 d'Elana. C'est comme ça que ça. Ouais, je suis pas fan, ouais, non. J'ai toujours beaucoup lu, mais surtout des livres de bibliothèque rose et verte et autres petits livres tels que Alexandra Vétérinaire, L'effet de l'arc-en-ciel magique qui luttait contre le méchant bonhomme hiver, La cabane magique, Geronimo Stilton, Oh mon frère adorait ça, Le bus magique, Alchimia, la saga d'Éric Santovin et non le manga, Sans voisin, pardon. Etc. Cependant, j'avais une peur bleue des livres de plus de 200 pages. J'avais l'impression qu'ils étaient immenses. J'étais en CM2 quand j'ai découvert, grâce à un camarade de classe, Le Pacte des Marchombres de Pierre Bottero. J'ai eu peur de le commencer, de me lancer, mais j'y suis allée et ça m'a bouleversée, moi et le monde que je connaissais. Et j'ai continué de plonger dans l'univers de Pierre Bottero, sans retenue, avec émerveillement, pour rêver et m'émerveiller encore plus, et réfléchir aussi. Jusqu'à ce que le rêve soit brisé en plein vol par la nouvelle froide et définitive de la mort de l'auteur. Laissant inachevé une œuvre, un univers dont on commençait tout juste à comprendre la complexité. Le Pacte des Marchombres est écrit avec une belle plume, qui évolue avec son héroïne. On y retrouve un brin de philosophie sur la liberté et une certaine poésie. À mon sens, des quatre trilogies qu'il a écrites, c'est peut-être la plus poétique et celle qui invite le plus à la réflexion. La poésie marchombre est faite pour être écrite, sur du papier, des murs ou sur le vent, énoncée, elle perd sa force et sa pureté. Je le dis au cas où, mais il ne faut pas lire à voix haute les quelques mots en italique, juste les montrer. J'obéis. Celui qui comprend la poésie des marchombres a accès à leur âme et peut à son tour arpenter la voie. Parole de Gilano Halloween, maître marchombre. PS1, j'ai pas voulu faire de résumé car je pense qu'il faut juste prendre ces livres en main et les découvrir, plonger dans le récit et se laisser porter par les mots et les personnages sans forcément savoir à quoi s'attendre. PS2, j'aime ces livres et l'œuvre de cet auteur, d'un amour que je ne pourrais décrire et je ne suis donc pas vraiment objective les concernant. Mais c'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous demande, les enfants, de ne pas être objectifs et de partager ce que vous aimez. Bon, là, c'est carrément en m'offrant les bouquins, mais j'ai trop hâte de le découvrir. Il faut que je finisse ma relecture d'abord de. Tu sais quoi, je vais arrêter le stream, je vais lire. C'est non, mais clairement. Mais là, mais est-ce que vous vous rendez compte? C'est quoi, on va juste faire.
Merci énormément pour ce courrier. C'est passionnant et j'ai juste trop hâte de pouvoir. C'est qu'en plus, je voulais les acheter. Parce que du coup, j'ai lu les BD d'Elana. Je les ai pas en vrai, je les ai lus en PDF parce que la maison d'édition me les a envoyés pour que je puisse faire l'interview. J'ai lu les BD d'Elana. J'ai lu une BD du monde des Willan. Et en vrai, j'avais trop envie de découvrir les romans, vraiment. Et du coup, je me dis, vas-y, faudra que je les achète un de ces quatre. Mais tu sais, c'est comme d'hab, quand je me dis, faut que j'achète un livre, vu tout ce que j'ai à lire, je le fais jamais. Et je suis trop contente de pouvoir lire grâce à toi. Du coup, alors attends, j'aimerais juste avoir. Vous faire un aperçu rapide. Ce qui va tenir, oui. De un peu la variété de ce qu'on a reçu aujourd'hui. Juste, on va juste se contenter, entre guillemets, des cadeaux. Hein. Je laisse les lettres et les quiz en bas, même si ça a bien sûr autant de valeur. Juste pour qu'on ait une idée, pour qu'on visualise un petit peu à quel point vous êtes inspirant. Je compte le pins. Ça, c'est les cadeaux. D'accord ? Ça, c'est ce qui est offert. Est-ce que vous vous rendez compte de la variété des passions qui sont décrites là ? Bon, il y a beaucoup de livres, on est d'accord. Mais les livres, à chaque fois, c'est des genres très différents. C'est des choses qui vous ont parlé, qui vous ont inspiré, vous. Et vous voulant... Enfin, je trouve qu'à chaque fois, dans tous les cas, ça a été transmis avec tellement de passion, à chaque fois dans les lettres, il y avait vraiment un compte-rendu. Bon, alors encore plus, Gigi, il y a carrément eu un quiz, et enfin, des jeux. Mais je veux dire, à chaque fois, ce que je trouve trop trop cool, c'est que vraiment, vous arrivez à transmettre ce que vous aimez et vous donner envie de le découvrir aussi, quoi. C'est super diversifié. Alors évidemment, il y a des choses qui restent, genre la littérature, effectivement, la lecture reste quelque chose qui nous unit un peu sur cette chaîne de manière générale. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bouquins. Mais même au niveau des bouquins, c'est très varié. On a de la jeunesse fantasy, on a du young adult, une histoire d'amour très récente, très moderne, très touchante. D'ailleurs, c'est pas young adult, je crois que c'est jeunesse. Et un manga jeune aussi. C'est génial. Et ce qui est trop trop cool, c'est que du coup, on peut tous découvrir et s'inspirer. Et je trouve ça absolument, absolument incroyable. Alors là-dedans, je suis clairement privilégiée, puisque en l'occurrence, les cadeaux, bah, c'est moi qui les ai. J'avoue. Mais je veux dire, outre ça, il y a les lettres, évidemment, le contenu partagé dans les mots que vous écrivez. Et ça n'a pas de prix. Donc, merci beaucoup. Et merci aussi, d'ailleurs, de moi-même faire découvrir des choses et de nourrir plein de centres d'intérêt, plein de passions et de toujours me faire découvrir davantage de choses chaque jour, quoi. Parce que là... Bon, les timbres, je vais pas me lancer dans une collection en sens où je vais pas en acheter. Mais par contre, du coup, ça me fait plaisir de me dire que maintenant, quand je recevrai des lettres, je vais regarder un peu avec attention ce truc-là, tu vois. Et quand je vais avoir le petit classeur pour les ranger, je pourrai les ranger dès que je les trouve jolies. Enfin, j'aime bien cette idée d'avoir un truc en plus, même si c'est pas quelque chose que je vais collectionner en mode je vais les acheter, mais quelque chose en plus un peu dans ma routine qui m'aura été inspiré par vous. Pareil pour les tampons. J'en avais pas, bah je vais essayer de faire en sorte de temps en temps, pas forcément en acheter 500 non plus, hein, mais du coup d'acheter de l'encre et de pouvoir de temps en temps les utiliser. Et ça, c'est vous qui me l'apportez. Tu vois, cette curiosité, cette envie de tester des choses, d'optimiser et tout, enfin... C'est vous, quoi. C'est trop cool. C'est juste trop cool. Donc, voilà. Je rappelle que vous n'êtes pas du tout, évidemment, obligé de m'envoyer des cadeaux ou de m'envoyer des choses. La preuve en est de ce qu'on a ouvert aujourd'hui. Hein. Il y avait plein de courriers qui n'avaient pas de cadeaux, entre guillemets. Mais le cadeau, c'était justement les mots écrits et toutes les gentilles phrases dites à mon égard. Ça m'a beaucoup touchée. Oui, Titi, voilà, step by step. Déjà, moi, j'achète l'encre, déjà. Donc, eh ben, écoutez, mes enfants, on va se laisser. À une heure relativement raisonnable, qui plus est. Merci pour le follow, Axou. N'hésitez pas, du coup, si vous voulez m'écrire, vous n'êtes bien sûr pas obligé d'envoyer des choses, genre des cadeaux. Hein, vous pouvez très bien partager vos passions. Vous pouvez envoyer des blagues, vous pouvez envoyer des photos de votre région, les photos que vous faites, partager vos créations à vous. Faites-vous plaisir, vraiment. Voilà ce que j'aime dans cette commune, cette façon de partager ses passions et différents points de vue sans avoir de priori. Merci à cette commune et Thibaut de ce que vous apportez et ce côté solaire en même temps sérieux qui fait du bien. Merci à toi, Magic Faye. Ouais, et là clairement, c'est ce que je vais faire. Je vais donc arrêter le stream. Je vais aller me poser sur mon canapé, avancer l'histoire sans fin le plus possible pour pouvoir attaquer le pack des marchands ou alors Aristote et Dante. Mais je pense que ça va être le pack des marchands quand même. Puis j'ai un coloriage aussi que j'ai commencé, que je vais finir, mais peut-être pas ce soir quand même. Mais du coup, voilà, c'est trop cool. Merci de me faire découvrir tout ça et de me faire claquer du pognon. Et voilà, merci beaucoup, vous êtes géniaux. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve. Alors, demain, c'est spécial, les enfants. Demain, c'est spécial. On se retrouve donc le matin pour un stream coloriage tranquille. Mais demain, à 20h30,
stream anniversaire, puisque demain on fête les 1 an de Twitch, enfin les 1 an sur Twitch. Donc ça va être un stream anniv où on va papoter. En fait, alors moi ma façon de célébrer les anniversaires, en tout cas les miens, c'est toujours très doux. C'est plutôt des moments de discussion où on fait un peu un bilan, etc. Quelque chose d'assez cocooning, assez choupi. Donc demain soir, 20h30, il n'y aura pas de stream ciné exceptionnellement, ce sera un stream anniversaire. Donc voilà. Oui, je fais exprès le soir justement pour qu'il puisse y avoir le plus de monde possible, parce que c'est quand même notre anniversaire à tous. Donc je penserai à une bougie sur un doigt, j'essaierai d'y penser. Je vous fais plein de bisous mes enfants, passez une très belle fin de journée, je vous aime très fort. Et puis, attends, puis demain il y aura la fin d'Hildegarde du coup à 18h qui plus est. Hein. Bisous bisous. Et encore merci pour tout, vous êtes les meilleurs.